vie. Allez, yo les gens, bonjour, bonsoir. Oh, ça va être magique, je vous le dis direct, ça va être magique. Ah, je suis bien là. Oh là là, on est bien. Yo l'Opaka, yo Lord, yo Wakuma, comment ça va les gens? Bien, yo les gens qui arrivent évidemment. On n'oublie personne, on a rien à foutre. Allez, c'est parti, on va se faire un petit let's play de Extreme Express World Grand Prix, motherfucker, ça va être chaud, c'est sûr. Bon, c'est un jeu Midas, donc ça va sûrement être de la merde. Mais, si vous regardez là, là, il y a marqué Criterion Software, les mecs de Burnout. Donc, on sait pas, parce qu'il y a Midas, ok, c'est de la merde. Tout le monde est d'accord. Mais, Criterion, il y a moyen de taper des barres. Ouais, cet après-midi-là, il va falloir que je quitte tôt, parce que faut que j'aille chercher mon fils un peu plus tôt à la crèche. Mais il y a moyen de se taper au moins 2 bonnes heures de plaisir. Voilà, Midas. Midas Games. Ils sont fiers d'eux. Hein. Gros logo. Hein. C'est des gens qui ne jouent pas à leur propre jeu, c'est sûr. Sinon, ils ne feraient pas les malins. Croyez-moi. Je m'avançais un peu. Voilà. Là, on est bien. Alors. Allez, tous les trains et les endroits sont fictifs. Hein. Y a pas le putain de RERD, quoi. Allez, je suis chaud, c'est parti. Alors, on a le choix entre Grand Prix, Tour, mode gratuit. Mode gratuit, on va voir les options. Difficulté, on va rester en normal, on est des Mongols. Contrôleur, y'a quoi? Y'a accélération. Mais non, y'a que ça. Oh, ça commence bien. C'est un jeu pour moi, les mecs. Il y a deux touches. Et même avec deux touches, je suis sûr que je vais me rater. Accélération. Et changer de... Deuxième, troisième, tu vois. Clac, clac, clac. Mon nez chaud. Oh, mon... ça pue déjà la merde. Heureusement que je fais pas un PS2 challenge, hein, je vous le dis. Même pas une petite nitro, mais rien du tout, mon gars, t'es pas prêt. C'est parti, Grand Prix. Nouvelle partie.
Ah, on peut même en Grand Prix, on peut choisir. On va commencer avec le Snowplane, également. Évidemment. Voilà, une ligne à grande vitesse. Jonchée de neige. Ah bah c'est parti, télécharger. Ah bon? Amérique du Nord, Europe, autre zone. Oh, le respect niveau zéro, quoi. Amérique du Nord, Europe, et le grouillot après, toute la merde. Voilà, Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie, enfin, tous les... Non. Voilà. On est sur un jeu fait par des Occidentaux qui n'ont rien à branler des autres. En même temps, qui va acheter ce jeu à part moi? Alors, attendez. Attendez. Oui, parce que j'ai le jeu, évidemment. J'ai toujours le jeu. C'est ça le problème. J'ai toujours le jeu. On va lire la promesse produit. C'est important. Je vais faire comme avec mes élèves. Quand on lance un jeu, on lit la promesse produit. Enfin, il y a toujours un synopsis. D'abord, petit bout d'histoire. Et après, t'as toujours... Tu vois? T'as le synopsis, en gros. Bon, tu le vois pas. Mais... Attends, je te le mets comme ça. Voilà. Là, t'as le synopsis, là. Là, c'est le synopsis. Et puis, quand tu remontes, clac. T'as les petits points pour te donner, évidemment, les promesses produits. Les promesses produits, lesquelles sont-elles? C'est parti. Alors, on va commencer par le synopsis. Piloter des trains dans 10 courses fantastiques. Alors, déjà, il y en a 10. Va falloir gratter 2 heures minimum avec 10 courses. Mais je vais le faire. J'en ai rien à foutre. Donc, 10 courses fantastiques, déjà. Promesses produits, 10 courses fantastiques. On va voir si elles sont fantastiques. Avec Extreme Express. Donc là, ils remettent le titre du jeu, évidemment. Name dropping, y a pas de problème. De nombreux trains et circuits sont à débloquer. Donc déjà les mecs dans le synopsis, ils te font des promesses produits, pas de problème. Donc de nombreux trains et circuits, c'est-à-dire qu'il y en a plus de 10, ou c'est-à-dire que tu commences avec 2 et tu les débloques. On ne sait pas. On ne sait pas, mais on a hâte de le savoir. Et un mode tournoi passionnant. Il me faut un Xanax, ça commence très mal. Il me faut un putain de Xanax, c'est sûr. Un mode tournoi passionnant. Ainsi que plusieurs missions variées sont à découvrir. Il y a des missions. Il y a des missions. C'est-à-dire qu'il faut poser Marcel à Pointe-à-Pitre, repartir, prendre le tunnel sous la Manche, tu vois. Et ensuite, il faut poser Geneviève à Ouagadougou. Ah oui, là, mais moi, j'en ai rien à foutre. Yobi Kiluza, comment va? Bien. Il faudra faire preuve de talent et d'habileté pour terminer premier. Donc déjà, il faut être premier. Passionnant, les jeux de train vont pas ensemble. Eh ben, si, t'as un jeu de si, t'as un jeu de comment, de gestion de voie ferrée qui est vachement cool. Je me rappelle plus du nom. Je crois que c'est Railroad Tycoon. Hein, c'est un nom. Hein. Et moi, j'aime bien. Avec 2 touches habilité, c'est faisable. Hein. Alors attention, vos adversaires informatiques. Mais ça, franchement, personne ne dit ça. Vos adversaires informatiques. Vous allez affronter de nombreux adversaires informatiques. Ah oui. Vos adversaires informatiques ou votre concurrent humain. Donc déjà, on peut jouer à 2. On peut jouer à 2. Incroyable. Ne vous feront pas de cadeaux. D'accord? Alors jouez bien et jouez vite pour arriver premier. Alors là, on arrive à la promesse produit, même si on en avait déjà un petit peu dans le synopsis. Plus de 80 trains différents à débloquer. Tous différents! Donc quand il y a 2 fois différents, normalement ça s'annule. Ça veut dire que c'est les mêmes. Ça, c'est moins fois moins égale plus. C'est un grand classique. Hein. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est... T'es tendu comme une crampe! Ah non, je suis là. Bon, un petit peu quand même. Attention, 10 circuits à découvrir dans les deux sens. Donc 20 circuits du coup. Donc 20 circuits. En x2 mon gars, ils sont trop malins. Utilisez bien les points et prenez la route express pour terminer premier. Donc on va prendre la route express, j'ai compris. Un fantastique mode trial à battre. Ok, il y a un mode time trial, ça déjà j'adore. Arrêtez d'être un fou. Poussez vos adversaires hors des rails. Ou sprintez au finish avec des instruments déréglé. Pas de problème. Découvrez les modes de jeu en solitaire ou affronter un ami en mode écran partagé. Voilà. Là, je dis oui. Pas de problème. Ce jeu est fait pour moi, un jeu Midas, de toute façon. Du coup, on aura quoi? On aura le mode Grand Prix, le mode Tour, le mode Free, le mode VS, si jamais on a 2 manettes. Si jamais on trouve quelqu'un qui a envie de jouer avec nous, faut le trouver. Hein, faut trouver le bon larron. Alors, attention.
Au début d'une course, il ne faut pas accélérer avant que tous les signaux soient verts. Faites attention, si vous essayez de partir trop tôt, vous recevrez un stop de pénalité, mon gars. C'est le 100 mètres, le 110 mètres, et qu'est-ce que tu vas faire? On est en mode Jeux Olympiques du train. Le RERD, quoi, direct. Bifurcation, attention. Lorsque vous arrivez à un ensemble d'aiguillages, indiqué par les flèches descendant sur l'écran, maintenez une des touches Changer de voie enfoncée. C'est les touches L1 ou R1 par défaut. Donc ça, ils nous le mettent pas dans les touches. Donc déjà, il y a plus de touches. Il y a deux fantastiques et un passionnant. Oui, la promesse est là. Exactement. Déjà, il y a des touches en plus, tu vois. Ça fait, c'est, heureusement qu'on lit la notice qui fait 8 pages. Pas de problème. Grosse notice. Attention. Lorsque vous voulez changer de voie, la flèche changer de voie sera affichée. Cette flèche changer de voie est affichée seulement lors de la pression des touches L1 ou R1. C'est-à-dire que si jamais je touche pas à L1 ou R1, on me propose jamais de changer de voie, c'est ça le merdier? Alors attention, faites attention. Lors du changement des aiguillages, si vous essayez de changer de voie pendant que le train est penché sur le côté, vous pourriez dérailler. C'est possible. Rappelez-vous aussi qu'il n'est pas nécessaire de coordonner précisément le moment où vous appuyez sur la touche changer de voie. Vous pouvez maintenir la touche enfoncée. De cette manière, lorsque vous arrivez aux aiguillages, le changement se fera automatiquement. Et là, on arrive au point le plus intéressant du jeu. C'est là où Criterion, je pense, va faire tout le boulot. L'attaque d'autres trains. L'attaque des autres trains se fait selon certains modèles programmés. Attaque latérale. Vous pouvez faire dérailler un train comme... Donc, train généré par l'informatique, hein, rappelez-vous. En le percutant sur le côté lors du changement de voie. Il est possible de faire dérailler le train comme qui a changé de voie. Bifurcation. Lorsque deux joueurs changent de voie, celui qui arrive second peut dérailler. Accrochage arrière, le plus intéressant. Si, virgule. Lorsque vous changez de voie, virgule. On va se la faire à la pivot, je n'ai rien à foutre. Vous touchez l'arrière du train comme devant vous, virgule. Vous pouvez le faire dérailler, point. Ok. Ensuite. Toutefois, virgule. Ce qui se passera après dépendra de l'agencement des voies et autres conditions, point final. Oh, c'est magnifique. Ah, il y a une gestion du poids. Attention, déplacement des charges. Dans les virages, l'indicateur de centre de gravité bougera. Si l'indicateur se retrouve dans la zone rouge, le train déraillera. Vous pouvez éviter de dérailler en déplaçant la charge à l'aide de la manette analogique de droite. Ah mais oui, shift weight, d'accord. C'est pas pour changer de vitesse. C'est pour déplacer le poids du train, d'accord. Mais c'est magique. Non, il se passe un truc ça va être intéressant, je pense. Dans un virage vers la droite, inclinez la manette analogique de droite vers la droite. Dans un virage vers la gauche, inclinez la manette analogique droite. Vers la gauche, les mecs, putain! On vous l'a dit répété! Incroyable ça! Il sera plus facile de prendre un virage. Enfin, in! Hein, il y a une coquille. Il y a une coquille! Vous le voyez pas, mais il y a marqué. Il sera plus facile de prendre in, in, virage. Serré, si vous déplacez la charge tout en ralentissant. Revenir sur 4 sur 20 le double, t'attends pas du rêve. 4 sur 20 le jeu ? Jeuxvideo.com, les plus gros suceurs de l'humanité. Les mecs qui ont battu le maréchal Pétain, mais alors haut la main. En matière de suçage, bah, ils sont largement au-dessus. Parce que eux, au moins, ils ont le mérite de commencer par la base et d'aller vers l'extrémité. Toujours, tu vois ? La base. Voilà. Ce que le maréchal ne faisait pas. Non. Il avait trop de respect pour lui. Bizarrement. Revenir sur la voie. Si vous avez déraillé, vous pouvez vous remettre sur la voie en bougeant la manette analogique de droite, utilisée pour déplacer la charge, rapidement et répétitivement vers la droite et vers la gauche et la droite. On est sur de la branlette, hein. Clairement, le jeu nous vous dit, si vous êtes mal, branlez-vous. En fait, un train essaiera de se remettre sur les rails, même lorsqu'il a déraillé, s'il passe à des embranchements. Si vous avez déraillé, il est essentiel d'agir vite, sinon vous perdrez rapidement votre position. C'est magique. Est-ce qu'on en lit plus ? Non, je pense qu'on va se laisser happer par le gameplay qui va être incroyable. C'est parti pour un minimum de 2 heures d'enjaillement interstellaire. On n'est pas sur un stream de merde, hein, évidemment. Enfin, si. Non, si on est sur un stream, faut le dire. On est quand même sur un stream de merde.
Mais vu qu'on est sponsorisé par personne, on peut se permettre des fantaisies, hein? C'est ça le plaisir. Allez, c'est mardi, je suis chaud. Alors, qu'est-ce qu'on a? New York, chic. Ok. Oh si, il y a une petite différence. Le train de New York est légèrement plus haut que le train de Chicago, ce qui lui permet évidemment d'aller un petit peu moins vite, enfin d'avoir une moins bonne accélération. Canada, oh Canada, ça me plaît. On est sur du tramway là. San Francisco, on est encore sur du tramway, pas de problème. L'Illinois, on est sur du train qui transporte des matériaux, des bagnoles, des conneries. San Diego, oh non, voilà. C'est le même. C'est le même. Essayez pas de me niquer, c'est le même. Miami, c'est le même que New York et Chicago. Floride, on revient sur nos amis d'Illinois et de... Pas de problème. Mexico, ah, petite... on va peut-être prendre Mexico du coup. Et Atlanta, il y a les couleurs de l'âge bébri. Oh, mais attends, il y en a trop. Mais il y en a trop, les mecs. La rue. On a trop. L'Allemagne. Violet. La couleur de l'Allemagne, évidemment, le Portugal. La Grèce, ok. La Suisse. Ouais, je reconnais pas. L'Angleterre. Bon, ils se sont pas fait chier. La France. Oh, c'est le RERD. c'est le RERD, les mecs. Il va y avoir tous les sacs à merde dedans, quoi. Eh, vas-y, passe-moi ta place, que t'arrives. Oh, le RERD, quoi. Vas-y, on prend le RERD direct, j'en ai rien à foutre. Oh, c'est roleplay. C'est roleplay, quoi. Oh, je vais me faire carotte mon pull, c'est sûr. Mon pull Binding of Isaac, on va me le carotte. C'est sûr. Il y a Zoubir. Sous prétexte, évidemment, que j'aurais pratiqué sa sœur, voilà. Eh, mauvais, faux départ. On l'avait dit. Et il y a évidemment le nombre incroyable de vues. Attends, je suis à fond là? Ah non, mais ça accélère, ok, autant pour moi. Ça accélère. Oh, il se passe des trucs. Oh, j'ai déraillé. J'ai déraillé. C'est bon, je suis revenu. Je comprends pas ce qui se passe. Attends, j'ai appuyé sur Ok, d'accord. C'est ça le jeu? On est censé jouer 2 heures? On est censé jouer 2 heures, pas de problème. Oh oui! Oh lui là, moi lui! Oh non, il se barre. Ah non, mais c'est L1 et OR1 pour changer de... Oh, il est à moi lui. Regarde bien, il est à moi. Lui, c'est mon... Lui, il est à moi. Je vais... Mais non. Oh oui! T'as déraillé, ce sac à merde! Il se passe rien, c'est incroyable. Oh, j'ai changé de voix. J'en ai rien à foutre. Le mec en face, il est à moi. Hein. Je préfère vous le dire de suite. Donc quand je tourne à droite, faut que j'aille à gauche. Faut que je mette le poids à gauche. Hein. Je pense que c'est assez évident. Il va trop vite, le mec en face, là. Oh, j'ai déraillé. Oh, l'enculé, il m'a mis une châtaigne. Mais va... Oh, mais mon stick, il marche pas ou comment ça se passe? Oh, le goal soon. Je suis combien? La dernière, on est d'accord? Le Grand Prix commence très mal. Oh, j'ai fondu! Le RERD, il a fondu, les mecs. Sixième. Oh là là, c'est quoi ce jeu de ouf? Mais je suis tellement content qu'on fasse pas un PS2 challenge, les mecs. La France. Évidemment qu'on recommence. Ce jeu n'est pas encore tout à fait clair.
Non, j'ai encore une pénalité, quoi. Ah, rond, c'est pour freiner. Ok. L2, enfin R2 aussi. L2, on sait pas. Ok, oui, c'est toujours en sens inverse après avec le, l'analogique droit, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas, les mecs? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, quoi. Je vois pas l'intérêt de changer de voie en vrai, à part pour attaquer les adversaires. Ah oui! Oh, ils sont à moi, eux, c'est sûr. Salut. Le big baisse bien. Récupère internet, comment on va? Ah, chais! Enculé, va! Surtout que changer de voix, ça a l'air pernicieux en fait. Changer de voix, c'est risquer de se faire défoncer, quoi. Mais t'as raté des jeux tellement incroyables sur ce marathon. Pousse-toi! Putain, ça rend ouf ça! Oh, j'ai déraillé. Ma vie, c'est de la merde. Je suis cinquième. Taxi 2, un jeu incroyable, il est fait. Là, on est sur Infestation. On peut le dire. J'allais dire, j'allais mettre un F sans le vouloir. Comme quoi, c'était, il se passe un truc. Quoi. Infestation, un jeu incroyable qu'on finira ce soir si je peux streamer. On verra. Normalement, oui. Normalement, oui, mais on sait jamais. On sait jamais, quoi. Donc ce week-end, c'est un peu les 6 ans de couple, 3 mois de mariage, enfin, truc de fragile, quoi. Truc de fragile, mec. Je suis 6ème, quoi, ma vie, elle est merdique. Je peux pas aller plus vite que ça. Allez, dérailler, nique-toi, toi. Quoi, tout phare? Mais non! T'arrêtes d'être de. Yo Mogi, viens! Salut Mogi, comment va? Bonjour, bonsoir! Taxi 2, ça fait 6 mois que j'ai mis sur le bon coin à 5€, même pas ouvert, personne en veut. Quoi, en 9? Oh, s'il est en 9, je te le prends à 5 balles, ouais, y'a pas de soucis. Je l'ai déjà, mais bon. Si je peux arriver et dire, hé hey, les mecs, j'ai un taxi 2 sous blister! Je suis pas un collectionneur, les mecs, c'est bon! Oh, je suis dernier, elle est pourrie ma vie, quoi. Bah oui, recommence. Est-ce qu'on va jouer 2 heures à ce jeu? Yo, try bien. On va vite partir sur un autre jeu là. Je m'attendais à mieux ou à pire, mais pas hein, cette espèce d'entre-deux très bizarre, quoi. Le son grésille, non, j'ai pas l'impression. Bah écoute, ça va nickel. Ça va nickel, je suis allé chercher ma femme à midi à son taf. Je suis allé la chercher à son taf. Et puis on est allé se faire un petit resto tranquille. Je l'ai mis bien. Je vais regarder, je crois que c'est un dessous de verre original. Ah, tu crois pas si bien dire. J'ai des dessous de verre jeu PS1 en plus. Je crois que je suis mongol. Mais ouais. Faire un tour à la poste, je reviens tout à l'heure. Ouais, pas de soucis. Mais non, mais je suis. Quel khmoum je suis, moi. Il était bon le grec, mais t'es ouf. Toi, je l'ai amené à un petit resto là, un village d'à côté qui s'appelle l'Ardoise. C'est un resto qui est coté de ouf en plus. Oh, je l'ai enculé lui. Magnifique. Allez, le RERD, mon gars. Il y a Zoubir dedans. Faites pas les ouf, il y a Zoubir, il faut que ce soit à l'heure. Qui vend un petit vin de Tamia là. Faut qu'il lui vende un petit œuf doux là, Kevin là. Allez, Zoubir. Comment ça, Sting? Jamais. Mais franchement, je comprends pas ce jeu. Putain, Midas.
Vous en avez fait de la merde, Midas. Mais là, là, ils se sont surpassés quand même. Tellement de jeux en 3D dégueulasse, t'es motivé. Ouais. Clairement, je suis motivé, ouais. Bah, surtout que je. Il y a un côté affect. Il y a un côté affectif de ouf. À la base, je l'avais fait vraiment pour passer le temps. Et puis. Puis franchement, il y a tellement un bon délire. Voilà, la communauté, elle est vraiment cool. Enfin. Il y a tout qui fait que. J'ai pas envie d'arrêter, quoi. Je m'éclate, quoi. Moi, je m'éclate de ouf. Oh, je suis en bonne position là contre Samir. Ah, mais ils sont tous aussi nuls que moi en fait. Ah, mais all is ok. Je suis combien là? Oh, je suis quatrième. Oh non, retry. Tu pourrais pas être le mec qui le fait, ouais. Ouais, je comprends. Bon, franchement, je peux facilement être le mec qui le fait. Vas-y, on recommence. On recommence. Je commence à comprendre comment ça marche. Franchement, j'ai l'impression qu'ils vont tous à la même vitesse, quoi. À part le visuel, y'a rien qui change, quoi. Oh, je vais mettre une carotte, Lurad. T'es moi. Ah ouais, non, d'accord. Mais vas-y. Déjà, c'est quoi ces trains qui roulent c'est n'importe quoi. Ah, je croyais que j'allais mettre une carotte, mais non, c'est lui qui m'en a mis une sans croire. Mais c'est quoi ce jeu, quoi? Mais on est où, les mecs? Retry, mais jamais de la vie, mon gars. Je suis trop chaud, t'es pas prêt. Regarde. Ah, je vais l'enculer, gros. Alors, j'arrive pas à voir la patte Criterion quand même. Faut la montrer cette putain de patte Criterion parce que je la vois pas. Ah oui, je t'ai enculé. T'étais pas prêt. Y'a même pas de takedown. Franchement, un petit takedown signature là, ce serait magique. Ah, la côte. Ah, la côte incroyable. T'as raison. Oh, l'enculé des bois. À moi ça, le suceur de nœuds, quoi, poussez-vous! C'est quoi ce jeu? À quel moment je me suis dit que c'était une bonne idée de jouer à ça? J'arrive pas à me. Je m'en rappelle plus. Ah bah ouais, le suceur de nœuds, t'as quoi? Je crois quoi, toi? Eh, j'ai un peu de vocabulaire, moi. Oh là là, puis la voix off, elle t'as envie de la tuer, c'est sûr. Oh, je vais le baiser lui. Et pas comme il aime. Mais non! On dirait un jeu d'arcade de Sega, mais respecte Sega un peu, le pauvre, ils sont morts. Les mecs, ils ont jamais passé le générique, quoi. C'est une adaptation, je pense pas. Vu que c'est un jeu Midas, je pense qu'il n'y a aucune chance que ce soit une adaptation. J'ai pas souvenir que Midas ait fait le moindre jeu d'arcade. Ils ont fait des jeux de merde par contre. Et honnêtement, celui-là, c'est le moins pire. Mais je fais jamais un retry, je suis premier. Ah, qui c'est qui est premier? Je pense que c'est peut-être le moins pire de tous les jeux Midas là. Oh, c'était juste.
On va essayer de passer le premier niveau quand même, non? Pour voir d'autres endroits incroyaux. Ça passe juste à chaque fois. Mais je suis trop fort en fait. C'est incroyable comment je suis trop bien joué. La suite a l'air tout aussi intéressante, mais c'est sur PS2. Mais c'est celui-là, il est sur PS2 celui-là. Sorti en 2001 sur PS2, donc c'est quasiment le début de la vie de la PS2. Honnêtement, pour un des premiers jeux de la PS2. Mais quel énorme fils de pute quoi, c'est un truc de ouf ça. Ouais, c'est que le premier niveau là, ouais. C'est déjà la misère. C'est le RL. Mais quel enculé lui aussi. Ils vont tous me baiser le cul ou comment ça se passe? Pas comme j'aime. Est-ce qu'il y a un Extreme Express 2? Ce serait énorme. Ce serait énorme. Je le trouve celui-là. Celui-là, je l'ai pas. J'ai le 1 déjà, c'est incroyable. Regardez le chat derrière les 3 fois. Mais c'est ça aussi, moi j'essaie d'être sympa avec vous, je regarde ce que vous me dites. Non, non, mon challenge est sur PS1, mais là, l'après-midi, on n'est pas du tout sur les modes challenge. Mon challenge, il est sur PS1, Boogie, mais l'après-midi, je suis pas du tout en mode challenge. Je teste ou je joue à des jeux rétro de manière tranquille. C'est-à-dire que oui, effectivement, j'ai pas besoin de me faire du mal. Et malgré tout, je m'en fais un petit peu. Oh, il a déraillé ce bâtard. Oh, je suis bien. Oh, pourquoi j'ai l'impression que c'est le moment. Mes frères, enculé! Oh oui! Deuxième. Boum! Et une foule en délire lui lancer les bigorneaux. Je t'avais déjà regardé dans l'ombre sur PS1. Yes! 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 Oh, le marathon PS1, on est à 144 jeux là. Sur 1402. En termes de full set, je suis à 500 jeux PS1. Et j'en ai mis quelques-uns là. Là, tout là. Oh, putain, j'ai l'impression de. C'est la météo, les mecs! Eh les mecs, je présente la météo. Allez, légère averse ici au niveau de Taxi 2. Quelques éclaircies ici au niveau de Vagrant Story. Et si vous regardez bien dans le sud de la France, il y a un Paris-Marseille Racing avec de très grosses averses, un orage et peut-être alerte rouge inondation. Ici là, Paris-Marseille Racing. Chaud. Et quel connard, j'en peux plus de moi. Putain, je dois me garder tous les jours en plus. Oh la replay! Attends, tout le monde s'arrête, on regarde la replay. Regardez, c'est moi. Ils ont osé mettre une replay. Ça c'est beau. Et ça c'est beau. Vous savez quoi? Je crois qu'on va se faire une après-midi où on va tester plein de jeux de merde. Je vais me sortir tous les jeux qui me semblent un petit peu moisis. Et puis on va les enchaîner, on va se faire un kiff. On va se faire une compile du coulis moisi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une compile du coulis moisi. Donc on est sur de la compile PS2 coulis moisi. Un bon gros coulis bien moisi, tu vois. Enfin, c'est quand t'as la chiasse, ouais. Oh, mais y avait. Comment ça, les éclairages dynamiques? Éclairage dynamique, les mecs? Bah oui. J'ai quoi comme jeu de merde? J'ai Sonic Heroes, j'ai Street Hoops, j'ai FIFA 10, j'ai Airblade. J'ai un Smackdown, j'ai quoi? Putain, j'en ai plein des jeux tout pourris. J'ai Terminator. Un autre avenir, je me rappelle plus du nom. Il est pas mal Sonic Heroes. Ok, donc celui-là je le mets pas dans la liste. Oh, la caméra incroyable. On me voit pas. Du 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 du. Ça que les jeux de catch maintenant. Ah, c'est possible après le jeu long, mais j'y connais rien en jeu de catch, mec. Je dis ça au hasard, que ce soit clair.
pas la moitié du contenu en DLC, mais en même temps ils avaient pas le choix. Je pense qu'il y aurait eu moyen qu'ils claquent des DLC, ils l'auraient fait, c'est juste qu'il y avait pas le choix à l'époque quoi. Tu sors ton jeu avec tout le contenu et terminé quoi. Y'a qu'au Japon ou encore ils se faisaient des kiffs sur certains jeux, très peu, minoritaires, souvent des RPG où t'avais une version qui sortait et une année ou deux après t'avais la version dite internationale où t'avais moult ajouts. Allez, c'est à ce moment là que je savais que j'allais gagner. C'est là. Ah, c'est là. C'est là. C'est là. Non. Si, c'est là. C'est là, je savais que j'allais gagner. C'est pile là, je me suis dit, de toute façon, là, je gagne. Il y avait combien de versions mondiales? Ouais, 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 mais après, c'est vrai que chez nous, après, ça se faisait pas. Tant mieux. Tant mieux. C'est une belle époque quoi, c'est-à-dire que tu sors ton jeu, soit il est fini, soit c'est de la merde. Y'a pas de oui mais on va vous faire un patch. Oh le mec il a démarré tellement fort. C'est la Jamaïque ça. C'est mou le début. Oh l'accélération est pue mon gars. J'ai l'impression qu'on a déjà tout vu du jeu là. Ou alors je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression que là ça y est, on a vu tout le contenu du jeu. Le Dark Breeze bien. Oh, il va me saouler, bouge de là toi. Oh là là, on est trois sur la même rame. Oh là là, on a l'impression d'être un grand train convoi quoi. The convoy. Eh oui, casse-toi enculé, t'es pas prêt. Oh ça y est, je sais jouer. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais je sais jouer à ce jeu, ça y est. Ça craint. Ça craint les mecs. Premier. Il se passe un truc, c'est pas normal. Je suis au max là, là je suis à 130 km/h. Je le sens pas. Que la musique essaie de tenir le jour éveillé, ouais je pense. Oh non j'ai déraillé. Eh vite. Voilà. Oh, je suis deuxième. La musique il y a un petit semblant d'épique. Un tout petit hein, par contre faut pas déconner. Hein. Tu t'es trompé de voix mais non mais pas du tout. Oh oui il a mis une châtaigne. Mais non je suis en train de m'espanter sur un jeu de train quoi. Je suis en train de m'espanter sur un jeu de train, ma vie est pue. Oh oui. Oh je suis combien? Deuxième. Pif. Et vous savez que j'ai un jeu pire que ça. Si vous voulez j'ai un jeu pire que ça. Si vous voulez j'ai un... Alors, attends est-ce que je le vois de là? Non je l'ai pas. Si. J'ai un professeur Sudoku sur PS2, ok? Alors faites pas les malins. En plus il est encore sous blister. Il est encore sous blister. Collectionneur sous blister. Faut que je l'ouvre ce putain de blister, c'est sûr. Faut qu'on y joue à ça. Professeur Sudoku. Toutes les meilleures techniques pour jouer au Sudoku. Attendez, je vais le chercher là. Juste pour lire la promesse produit. Oh, il faut que je sauvegarde. Je sauvegarde. Pas de problème. 200 euros avec le blister, le Sudoku. J'espère que non. Ça les vaut pas. Moi, j'ai acheté ça 50 cents.
Ils cherchent que les gens desserrent ta chaîne ou... Non, du tout. Après, ils font ce qu'ils veulent, les gens. Je les force à rien. Hein. C'est avec la recrudescence de e-girl, ils peuvent très bien trouver leur bonheur quelque part. Hein. Avec une petite main dans le falz pour se mettre bien. Grosse après-midi. Ah oui. Ça marre bien de regarder des jeux pourris, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, quoi. On peut se faire un bon jeu, peut-être. Est-ce qu'on se ferait pas un bon jeu? Quelle heure il est? On va se faire une heure un jeu. On va se faire une heure un jeu, là. Il est 53. Dans 7 minutes, on change. Je vais quand même vous lire... Attends, faut quand même que je vous lise cette merde. Attends. Eh. Hey. Je vous mens pas, hein. Regardez-moi cette merde, il est encore sous blister. Je crois que c'est un des rares jeux que j'ai sous blister. Mais je l'ouvrirai le jour où on y jouera. Il y a encore le scellé PlayStation 2. Enfin, le truc de n'importe quoi. Enfin, ça ferait rêver tous les collectionneurs 2.0, quoi. Les éternels suceurs de bites, quoi. Les gros sacs à merde. Moi, j'ai pas honte de le dire. Hein, tous les collectionneurs qui se paluchent, là, qui se polissent le chinois parce qu'ils ont quelques jeux sous blister. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne jouent pas à leur jeu. Les mecs stockent. En gros, les mecs, ils ont pas compris que c'est des putains de hangars. C'est Amazon 2.0, les mecs. Voilà. Je vous kiffe les mecs, vous êtes sympas, mais les collectionneurs qui ne jouent pas à leur jeu et qui les stockent sous blister parce que ça fait la hype, je vous encule profondément avec... je vous encule sous blister par contre. C'est le petit plus, vous avez de la chance. Il y a un côté non salissant, hein. Ça fait plaisir. Attention, laissez-vous gagner par la folie Sudoku avec Professeur Sudoku. Je savais pas qu'il y avait une folie Sudoku, mais apparemment il y avait une folie Sudoku, ça devait être en 2000 quelque chose, hein, genre 2006. 2006 il y avait une folie Sudoku, j'y étais pas. Oh, tu peux quoter, il n'y a pas de problème quoi. L'experte en Sudoku, le professeur Sudoku, vous enseigne l'art de jouer au Sudoku. Le professeur Sudoku vous montre toutes les subtilités du jeu de réflexion qui a conquis le monde. Ok. Introduction au Sudoku. Découvrez l'origine et les règles de ce jeu mythique. Un tutoriel étape par étape, le professeur Sudoku vous aide à résoudre les tout types de grilles entières du début à la fin. Donc en gros, tu regardes une meuf remplir une grille de Sudoku. J'ai payé ça combien? 50 centimes. J'ai payé ça 50 centimes pour regarder une meuf remplir des putains de grilles de Sudoku, quoi. Sur un Barbie princesse cheval sous blister qui me fout le cafard. Ouais, non, tu m'étonnes. Ah, moi j'en ai des merdes aussi sous blister, hein, si vous voulez. Moi aussi, hein, je peux vous foutre le cafard, y'a pas de problème, quoi. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors évidemment, des dizaines de conseils et d'astuces pour tout type de joueurs. Que vous soyez novice ou confirmé, les conseils du professeur Sudoku vous aident à progresser. Caractéristiques. Attention, c'est maintenant que c'est intéressant. Plus de 60 minutes de tutoriel interactif animé par le professeur Sudoku. Voilà, il y a déjà au moins une heure où tu t'emmerdes, mais un peu plus que d'habitude. Ça, c'est intéressant. 1 million de grilles inédites incluses. 1 million, ok? Yo Akoba, comment on va? Attention, on est sur 1 million. Solutionneur de grilles, le professeur Sudoku a toujours la solution. C'est-à-dire, si jamais t'as ton télé 7 poches, t'as un Sudoku un peu chaud, tu lances le jeu, tu lui montres les pièges, il te met bien, le professeur Sudoku. Et peut-être que tu peux faire partie des millions de gens qui vont être tirés au sort pour gagner, une télé HD 55 cm offerte par Boulanger, tout ça. Enfin, tu connais le merdier, quoi. Hein, en collaboration avec télé 7 poches. Interface de jeu parfaitement adaptée à la console. Ok, pourquoi pas. Nombreux modes de jeu, on a un mode classique, le jeu original de Sudoku. Mode carrière, devenez ceinture noire de Sudoku, putain! Ou Sudoku, je sais pas comment on dit, j'en ai rien à foutre! Mode défi, professeur Sudoku. Défi le professeur Sudoku en personne. Ou alors encore pire, plus immersif, plus intrusif dans ta vie de tous les jours et ta vie sociale et professionnelle. C'est le mode duel de joueurs. Ok. Merci infiniment Akoba pour le follow, bienvenue à toi évidemment. Et évidemment, suis-moi, c'est important, il en va de ta vie. Je ne le saurais que trop le dire. Et là, je viens de voir que je viens de flinguer le blister. Du coup, ce jeu n'est plus sous blister. Non. M'en bats les couilles. C'est quand même un jeu métro. Mais pas métro...
T'achètes 6 kilos de bouffe pour être tranquille. Que nenni. On est sur métro, là, je sais pas si vous voyez. Hop, je le mets là. Bon, 3 euros, mais non, parce qu'après, tu vois, t'as le... Voilà. J'ai payé moins cher. Voilà, métro, rappelez-vous. Enfin, si vous êtes... Enfin, moi, à Montpellier, il y en avait. Le matin, quand tu prenais le tram pour aller à la fac, t'as des mecs qui te distribuaient deux journaux. T'avais métro et l'autre, je m'en rappelle plus. Voilà. Voilà. On en est là, quoi. Ouais, 20 minutes, voilà, c'est ça, 20 minutes. 20 minutes et métro, quoi. Ah, putain. Eh, ça me rend fou, ça. Ça me rend fou, les mecs, n'oublie jamais. Vous savez quoi, en fait, cet après-midi tombe pile poil parce que j'ai pas mal de jeux à tester, voir s'ils marchent. Donc ce sera l'occasion. Attends, j'ai d'autres jeux là. Voilà. Alors, je vais regarder là-dedans. Je vais sortir quelques jeux et puis on va choisir ensemble à quoi on joue. Alors ça et ça, oui, je garde. Ça, je m'en fous. Ça, je garde. Ça, je m'en branlouille. SSX. Est-ce que je mets un SSX dans la liste ou pas? C'est quoi le mieux? Ça c'est quelle année? Là on est sur du. Y a pas l'année. Sous ma gueule, Francis. 2005, le On Tour et le 3. Je ne sais pas. C'est si qu'il y a moins de rigoler. Je vais mettre le On Tour. Voilà, je mets le On Tour là. Ça, je mets pas. Ça, je mets pas. Airblade, ça a l'air merdique. Je mets. J'ai trop de jeux. J'ai trop de jeux. Ça va être un merdier. Ah, Verali 3. Petit clin d'œil à ce soir. State of Emergency, ça a l'air merdique aussi, quoi. FIFA 10, j'en ai rien à branler. Sly 2, non. Red Faction 2, non. C'est des bons jeux. Most Wanted, pourquoi pas. Sonic Heroes. Oh, fais gaffe, toi. Je vais mettre un FIFA Street, ça va te calmer, quoi. J'ai San Andreas. Non, celui-là, je le garde pour plus tard. C'est pareil. Voilà. Alors, cet après-midi, je vous propose... on va se mettre en mode suceur de nœuds sur 20, voilà. Sonic Heroes, pourquoi pas. Need for Speed Most Wanted, qui est pour moi un des plus intéressants. State of Emergency. D'accord. Verali 3. Ok. Airblade, c'est fait par qui? Ah, Criterion encore. Ils sont partout, ces salauds. Ils sont partout, regardez-les, ils sont partout, quoi. Sonic SSX. Ouh, celui-là, il a l'air incroyable. Hot Wheels. À mort, ok. Hot Wheels, Terminator, celui-là c'est une merde, c'est spécial. Terminator, un autre futur, et en dernier, attention, last but not least, évidemment, je suis un English speakouse. Transformula, mon gars, qu'est-ce qu'il y a? Lorenzo, freestyle du sale, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais vous êtes pas prêts, non? Non, pas trop, Paul. Allez-y, balancez un blast dans le chat. Et si je vois qu'il y a un titre qui revient plus que l'autre, je le mets. Ah, par exemple, tu vois, j'ai un State of Emergency, j'ai un Transformer. J'ai deux Transformers.
J'ai deux State of Emergency, tu vois. Ah, ça se. Il y a collage. Il y a collage. Crois-moi, il y a collage. Transformers. Putain, je fume pas la journée, mais là, ce genre de jeu, ça me donne envie de fumer 600 clopes aussi, tu vois. Je peux y aller. Hein. Voilà, c'est vendredi, tout est permis, on peut se faire un kiff, quoi. Après, on va pas jouer à beaucoup de jeux non plus, je pense, parce que maximum 5 heures, faut vraiment que je décolle. Je vais chercher mon fils. Comme ça, je mets ma femme, je la mets bien. Comme ça, ce soir, elle me met bien, tu vois ce que je veux dire. Tanani, tanana, tac, tac. Un vrai Go Transformer, ok. Eh ben Go Transformer, pas de problème. Attends, tu me dis ça à moi. Moi je transforme. Hein. Je transforme. Hop. Bon, mais Extreme Express, c'était pas mal. Je lui mets la délicieuse note de RERD sur 20, pas de problème. On a le droit à notre putain de RERD de victime là. Avec Zoubir qui va absolument te vendre son bout de carambar en te faisant croire que c'est un 20E, quoi. C'est un petit peu de The Doux. C'est quoi la promesse produit de Transformer? Il n'y a pas beaucoup. Hein. Peu de promesses. Peu de promesses, mais c'est des grosses, grosses promesses par contre. Attention. Transformer, monde immense, ennemi intelligent et surarmé, combat intense, boss titanesque, transformation à volonté. Déjà, il commence chaud, quoi. Déjà, il commence très, très chaud, quoi. Entrer dans la nouvelle ère du jeu d'action. Un condensé d'action qui donne envie. Un retour en force sur les devants de la scène. PlayStation 2 Magazine. Ok. C'est pas non, c'est un de mes uncles qui m'envoie un message. Je regarderai plus tard. Dès qu'on voit le jeu tourner, on est irrésistiblement attiré. Et dès qu'on tient le pad, on ne le lâche plus. Une surprise de taille. PS Magazine 2. Alors généralement... Bon, déjà c'est un jeu Atari, donc déjà il y a feinte. Mais généralement... quand à l'arrière d'un jeu t'as les critiques entre guillemets de magazines à la con, tu peux être sûr que ton jeu c'est une merde. 90% du temps tu peux être sûr que ton jeu c'est une merde. Si leur argument de vente c'est une critique d'un magazine à la con, c'est chaud, quoi. Du coup. L'image. C'est celle-là, l'image. 1 million years ago. J'ai même envie de dire 1 billion years ago. Sibish Sama, ouais, je pense, malheureusement, je vais fumer cet après-midi. Ça m'est pas arrivé depuis des lustres. Mais cet après-midi, je vais me faire un kiff. On a rien à foutre. Je suis un déglingo. Moi, je suis un ribouledingue. Vous ne me connaissez pas. Oh! Tu bluffes, Martini. Ah, crois-moi, je bluffe jamais. Moi, je ne bluffe jamais. Oh, ça m'est peut-être arrivé de bluffer une fois ou deux, mais c'était rien du tout, ça. C'était une fois au chalet. C'était une fois au chalet, quoi. Quelle année, Transformoule? Transformers. Jamais t'es fan des Transformers. En même temps, ça a toujours été un dessin animé pour vendre des jouets, donc ça a jamais été trop mon kiff, quoi. Yo Kings, comment on va? Transformers. Ok. Où qu'il est GTA, mais là, t'as pas reconnu? T'as pas reconnu?
Allez, venez, on va se faire une petite cibiche rapido. Ça va me détendre. Comme ça, je vais répondre à mon zinc. T'as loupé Extreme Express, comment as-tu pu? Là là, mon dieu, mais t'es allé voir un stream de E-Girl ou comment ça se passe? Alors? Allez, venez, on se fait une petite cibiche là. Il y a un peu de vent, mais ça devrait bien se passer. Oh, l'intro elle est magique. T'as envie d'acheter les jouets ou pas? C'est quoi? C'est un truc que j'ai demandé à mes élèves. On avait fait. On parlait un peu des premiers produits et compagnie, on a joué à des jeux, on a joué notamment à Hot Wheels, que je vous ai montré tout à l'heure là sur PS2, là, on y a joué. Et je leur ai demandé, enfin à ceux qui jouaient, je leur ai dit, est-ce que ça vous donne envie de jouer, d'acheter les jouets? Et il y en a pas mal qui m'ont dit oui. J'ai trouvé ça ouf quoi. Iron Man est de vraies séries genre Torchwood ou Doctor Who, incroyable. Ouais, du coup c'était rigolo quoi. Le jeu leur a donné envie d'acheter les jouets et de se faire leur circuit à la maison et tout. Comme quoi il se passe des trucs incroyables des fois. Ma fille aussi elle est pas autonome. Bah oui, mais écoute, faut que tu la responsabilises. Montre-lui un petit peu ce que tu payes en impôts et tout ça. Responsabilise-la progressivement. Tu vas voir, ça va aller vite après. Bah, c'est le but à la base, mais en fait. En fait, je suis pas certain que ce soit pas en fait l'inverse, que ce soit pas des éditeurs en manque d'idées qui sont allés acheter la licence Hot Wheels qui marchait bien pour faire un jeu sur Hot Wheels. Plus que Hot Wheels qui demande à faire un jeu Hot Wheels pour faire un peu plus, pour faire de la publicité à leur jouet. C'est ça le truc, j'arrive pas. Faudrait que je me renseigne. J'arrive pas à savoir là si c'est vraiment une démarche d'Hot Wheels pour vendre des jeux. Ou une démarche d'un éditeur pour surfer sur la marque Hot Wheels pour vendre des CD. C'est ça aussi, des fois, il faut se poser les questions. Je me rends compte que c'est extrêmement chiant ce que je dis. Sur la boîte Hot Wheels, je sais pas, on va regarder ça. On va regarder ça. En tout cas, sur la boîte de Transformers, il y a un bon gros jeu vidéo magazine. Il y a le logo jeu vidéo magazine en énorme. C'est n'importe quoi. Quoi, 2 ans et demi? Moi, mon fils, il a 2 ans et demi. Je lui ai dit, écoute, cet après-midi, tu vas dehors, tu sors, tu vas voir tout le monde. Tu leur dis, ici, c'est mon terre-terre, qu'est-ce que tu vas faire? Et si il se barre pas et que c'est pas ton endroit, tu rentres pas à la maison. Voilà, impose-toi, je lui ai dit. Ouais, si, part. Franchement, j'aurais pas dû cloper, dégueulasse. Franchement, fumer la journée, c'est ça pue la merde. Ça pue la merde de fumer la journée, les mecs, putain. Je le savais en plus, ça me saoule. Je suis une victime. Je suis une victime, quoi. Vraiment, ça. Ah, il a chié dans sa couche, mais non, mais il a mis des coups de boule, moi. Ils étaient pas prêts.
Alors, option. Écran 16/9, non. Non. Annule. Annule. Mais non, sauvegarde pas. Il se respecte pas ce jeu. Regardez-moi ce merdier. Il y a marqué quoi? Il y a marqué vraiment une excellente surprise. On en redemande. Là. Jeux vidéo magazine. C'est pas bon signe ça. Quand t'as fond d'article dans la description du jeu, c'est pas bon signe. Difficulté. Facile ou difficile? Non, facile, c'est bon. Et ça vous relâche à chaque fois, tu m'étonnes. Y'a quoi du coup sur la boîte de Hot Wheels? Ah oui, pardon. Hot Wheels. C'est Activision. C'est Activision et la marque Hot Wheels, y'a pas Hasbro. Vitesse, puissance, performance et attitude. Ok. Ouais, non, y'a pas. C'est Hot Wheels directement. Bon, allez, les autobots. Les autobots. Il se passe des trucs incroyables. Je vous le dis. Cela fait une éternité que j'attends ça. Doublage FR. Je peux jouer à deux à cette merde ou pas? Non. Joystick analogique uniquement. C'est fini. Par contre, celui-là, il y a marqué Hasbro. Hein. Tu peux y aller. Transformer, il y a marqué Hasbro. Nani? Nani? Partir, ça marche, Waku. Des bisous à toi, merci de passer, en tout cas, c'est cool. A bientôt, Tal. Oh, l'intro à la Avenger, oh, avec l'accent. Bonne journée, Waku. Des bisous à toi, merci d'être passé, ça fait plaisir. Autobot, il faut arrêter Megatron. En route. Mauvaise troupe. Un jour j'achèterai 1000 balles de booster Bigger Flex. Non mais t'inflige pas ça. T'inflige pas ça, c'est chaud. Alors on a qui? On a lui. On a lui. Mais non, mais c'est le même, s'il te plaît. Ah non, d'accord, pardon, autant pour moi. Autant pour moi. On la croit, choisir. Donc on a lui, on va prendre Bumblebee. Ouh, quoi qu'il ait bonne, il a une bonne attaque, lui. Ah, c'est Bumblebee, ça? C'est Hotshot. Hotshot. Red Alert. Oh, il y a que trois, il y a que trois, il y a que trois bestiaux. Dès que j'ai un vrai taf, tu reçois une surprise. Ah, avec grand plaisir, Big Bass, t'inquiète. Après, je vous dis, moi, j'attends rien à part taper des barres avec vous. Le reste, c'est du bonus. Après, ça fait toujours plaisir, c'est clair. Bon, on va prendre le Goldmon, hein, tant pis. Silicone d'auto-sauvegarde, machin, très bien. Est-ce que c'est long, la sauvegarde? Une plombe. C'est clairement le meilleur perso de la série animée. Bah, c'est un peu le... Comment? C'est un peu le Michelangelo de l'équipe, quoi. C'est un peu le fanfaron. Il est là, il nous met bien. Alors, on a quoi après? Minicans. S'équiper en mini... On va s'équiper de minicans, évidemment. Je sais pas ce que c'est, mais on va le faire. Un blaster. On a rien, putain, on est des victimes. Propose pas des trucs s'il y a rien, c'est pas possible. Zone de largage. Option, zone de largage. Choix d'une mission, Amazon. Et c'est tout. Amazon. Oh, Optimus, c'est un peu le patron, quoi. C'est un peu le patron emprunté, un portail warp. Ah, vas-y, prends-le. C'est trop long, là. Normalement, c'est. Tu nous perds le jeu. Ça y est, tu nous as perdu, là. Tu nous as perdu, c'est sûr. Le jeu nous perd, regardez-le.
T'es en train de nous perdre. Ça marche à toute traille. Oh, cinématique. Et c'est la cinématique incroyable. Je suis pas centré sur la cam, moi, j'ai l'impression. C'est un peu de la merde ce que je fais là. Là. Voilà, c'est mieux, non? Ou c'est moins pire? Ouais, il se passe des trucs. Il se passe des trucs. Mon café est extrêmement froid. Je déteste ça. En vrai, il est pas des... enfin, visuellement, il a pas l'air dégueulasse. Ok. Commandant, les Decepticons ont suivi le signal Minikan jusqu'à la Terre. J'en ai vu pas trop de 80 mégas. Ah oui, ça va. Moi, j'ai 100 mégas juste. Yo Tango, comment va? How are you, my friend? Rejoignez le sommet de cette falaise. Elle a un saut, très bien. Et surveillez le secteur. Oh, c'est Ultraman! C'est Ultraman qui me parle. Vous avez entendu? Bien reçu. Ah là, je saute, là, d'accord. Oh, le saut de merde! Ouah, ça va être long début. Nous captons une activité ennemie. C'est l'un des soldats des Decepticlones de Megatron. Soyez prêts à combattre. Ce sera une bonne occasion de régler vos circuits pour le combat sur Terre. Est-ce que c'est compris? Après l'ami corps à corps, sinon... ouais. D'accord. Oh, attendez, j'ai un truc qui me va pas. Waouh! Waouh! Ça va nickel. C'est mieux. Waouh, ça a l'air chelou. Commandant, les Decepticlones ont localisé un Minikan. Ça parle trop. Et se prépare à le charger sur ce vaisseau. Vous devez attaquer l'ennemi et récupérer ce Minikan. Accusé réception. Oui. Oh! Viser FPS, mon gars. Eh, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout, quoi. Power Rangers. Oh oui, le corps à corps de qualité, incroyable. Ce portail warp semble relever d'un réseau de passerelles spatiales modifiées, créé par les Minikan pour voyager sur Terre. Activez les portails warp pour sauvegarder votre progression. Permet également de revenir au QG Autobot pour faire le plein d'énergon et modifier votre dotation de Minikan. Ok. Orphan, je connais pas. Power Rangers sur PS2, ça me dit rien. Je m'en occupe. J'ai peu joué à la PS2, moi j'étais beaucoup GameCube à l'époque déjà. Moi j'aimerais me transformer en camion. Oh l'enculé. Bon, ça va. Y'a pas de minimap, quoi. Nous avons capté une signature de Minikan dans ce temple en ruine. Vous allez devoir entrer prudemment et le récupérer. Il y a des Decepticlones tout près. Ah, c'est des Decepticlones, carrément. Vous avez entendu? Orphan, l'héritier des sorciers, ok. Yo Musica, comment on va? J'y vais. Bonjour, bonsoir. Franchement, c'est pas dégueulasse, hein.
Ah mais ils sont tout petits. Ils sont tout petits. Oh oui. Triangle. Ah oui. Oh mais c'est le meilleur jeu de l'univers ça. F mon gars. F. Ça se conduit très mal, par contre. Oh, c'est nain. Quoi ? Je suis mort. Je crois que je dois pas jouer en bagnole, en fait. Je crois que je perds de la vie quand je les pète. Je crois que je perds la vie quand je les pète. Ah, c'est dommage, c'était fun. Du coup, on l'avait racheté avec Prince of Persia. Ah, il y a PS2 lâché, mais tu m'étonnes, fais que ça. Nous avons capté une signature de accusé réception. J'y vais. J'y vais. Tiny, tout écrasé. Ah, faut viser légèrement plus bas, c'est chiant. Active. Voilà. Salomon Grundy. J'ai ramassé les objets. Oh, il est chaud, lui! Ok. Minican récupéré. Au travail. Chaque minican récupéré procure des fonctions et des armes supplémentaires. Restez L1-L2 et R1-R2 pour les utiliser, d'accord. Ils peuvent être n'importe où. Vous pouvez vous équiper de tout minican récupéré. Pour modifier votre dotation de minican, revenez au QG Autobot. Par portail warp. Un blindage moyen. Sauvegarde est toujours actif. Attends, affecter la touche L1. L1 c'est pour sauter. Ça n'a aucun putain de sens. Je dois aller où maintenant? Oh! Mode FPS! C'est de la vie ça ou pas? Un petit peu j'ai l'impression, tu vois? Ouais, super. C'est de la vie mais en vite fait quoi. C'est marqué quoi, les mini-cons? Ouais, les mini-cons. Ouais. Eh, c'est loin d'être nul, hein. Je m'attendais vraiment à un jeu de merde. Baptisé un mardi, marié un mercredi, malade un jeudi, au pire un vendredi. Mort un samedi, enterré un dimanche, c'est ainsi que finit Salomon Grundy. Putain, quel jeu de mec, quelle vie de merde. J'ai envie de le plaindre. Y'a pas des bonus? Ah, y'a un truc là-haut. Ah, vas-y, on y va.
Mais non. Ça va. Et en fait, la maniabilité, elle est vraiment chelou quand même. Mais putain! Mais non! Mais ma vie est pu, ça y est, faut refaire le tour quoi. Star Fox sur Game Boy et sur GameCube. Ah, sur GameCube, ça fait ma nature. Ouais. Star Fox Adventure, ouais, vachement bien. T'en as deux de Star Fox, t'as le assaut qui est très moyen, mais le Adventure il est vraiment cool quoi. 90 balles, ouais, de toute façon c'est comme ça maintenant. Les vieux jeux ça coûte une blinde, c'est abusé quoi. C'est abusé quoi. Mais non! Mais il s'est pas fait rincer ce con. Oh, j'ai plus de vie. Oh, c'est un jeu de merde en fait, c'est bon. En fait, le truc, c'est que le personnage, il est un peu lourd, un peu pato. Un peu trop épais, du coup, des fois, les... On est mal, déplacements, on est mal, c'est chaud. On est mal. Oh, n'importe quoi. Il rebondit, Golemon. Le gougnafier, quoi. C'est chelou. Commandant, j'ai identifié un signal warp des Decepticons provenant de l'autre côté du fleuve. C'est Cyclonus. Les Cyclonus. En haut de la cascade. Le mieux est de passer en mode véhicule pour intervenir au plus vite. Répondez, s'il vous plaît. Ouais, j'ai confirmé, c'est bon. Qu'est-ce donc ? Datacan récupéré. Beau travail. On peut tirer des informations de chaque Datacan trouvé. Tu feras le marathon PS2 dans 10 ans. On verra. Déjà, faut que je sois encore là dans 10 ans. C'est, moi, je pense que je vais être vite remplacé par des Igor. Hein, c'est mort. Petite meuf avec rien dans le cerveau. Écartez-vous! Où je peux acheter des consoles émulées? C'est cool, je suis abonné, tu restes. Je suis abonné, tu restes maintenant. Il est con. Ouais, je bouge pas moi, rien à foutre. Je suis bien là. Je suis bien où je suis, t'inquiète. Pas me laisser emmerder par des pisseuses, moi je peux dire. Mais non ! Auto-sauvegarde en plus. J'étais en train de mourir comme une merde. Oh non, je reprends de là. Ah, mais y'a plus personne. Ouais, eh ben c'est pas si ouf que ça en fait. Ça partait bien. Il y avait un bon ressenti. Et puis en fait, la maniabilité est plus la merde quoi. Wouah, il va me saouler lui, c'est sûr. Mais fonce putain, t'as pas le temps. La clé passe partout. Ah, il peut pas passer par là, d'accord.
On m'a dit un monde ouvert, immense, tout ça, donc moi j'y ai cru. Et moi je suis trop con aussi, quoi. Oh, comme il kiffe pas! Oh, il kiffe pas la flotte, ce con! Il kiffe pas la flotte du tout, en plus. Hein. Et l'Octilus, bien. Je fais penser à Dirge of Cerberus. Non, Dirge of Cerberus, c'était pas trop mal. C'était pas un jeu de ouf, mais c'était pas mal, quoi. Mais je sais plus lequel. Il y a installé un nouveau firmware dans la Xbox. Ah, bah, j'en ai deux de Xbox avec un... des Xbox hackés. J'ai des bons petits jeux dessus, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, mon golo? Ah, j'ai déjà plus de vie. Putain, j'ai déjà plus de vie. Oh, magnifique. Commandant, l'analyse des mouvements ennemis confirme le rassemblement par Cyclonus de nombreux des Game Boy Mega, plein de PS3, Dreamcast, GameCube, etc. Après, ça dépend ce que t'as comme comment. Ça dépend le matos après que t'as dedans. Répondez, si... Reçu. Ça dépend le matos que t'as à l'intérieur. Ah bah là du coup c'est même plus une Xbox, quoi. Si t'as juste la coque de la Xbox et que tu mets un autre matos dans à l'intérieur, c'est plus du tout le même d'elle, quoi. Mais non. Tout va bien. Vos stabilisateurs inertiels vont mettre du temps à se régler et à compenser la gravité terrestre. Il y a une corniche tout près. Utilisez-la pour sortir du ravin. Sont trop 400 balles, ouais, sans moi. Vous m'en recevez. Je suis en route. C'est trop cher. Attends, 300 ou 400 balles. Non, mais ils ont craqué, quoi. Autant émuler sur le PC. Hein. Ça me ferait moins chier. Je suis en route. Ah oui. Oh, ça passe. C'est magique. Ce jeu est magique. Ah, il s'est bloqué sur je ne sais quelle merde. Ok. Mais non, mais quel jeu de merde. Ouais, c'est bon. Oui, l'utilisation de copie illégale, c'est pas bien. Bouh, vilain. Oh non, pas beau. Oh, les cons. Ok, j'ai repris un peu de vie. Mais non, mais quel jeu de merde. Mais quel jeu de merde, les mecs. C'est quoi ces trucs que tu vois jamais, quoi. Ah, oh, faut que je me retape tout, mais ils sont pas sérieux. Tu peux à tout moment, le DL est joué sur EMU car tu as déjà acheté le jeu. Oui, bah alors il faut que tu...
il faut que tu fasses une copie de ton jeu. Pas que tu ailles le chercher sur internet en fait. C'est tout le foutage de gueule quoi. Ouais, bah c'est pas ouf hein. Ce jeu il est pas ouf. Mais meurs, petite merde! Ah, tu sais quoi, je vais les prendre au cac, ces enculés. Bah oui! Wouah! Ça se conduit n'importe comment, j'en peux plus, quoi. Oh non! Oh, le jeu de ses morts quoi. Ah oui. Oh le sucré mon gars. Ah oui. Oh oui, triple missile. Adopi, c'est que la France. Alors c'est bon, suffit, 5 ans que général. T'as jamais eu de lettre. Non, mais après, voilà, il suffit de tomber sur le mauvais moment, le mauvais endroit, c'est tout. Mais non. Mais mon perso, c'est un débile. Ah, oh, j'ai une équipe de demeurer, mon gars. Ouah, il pue ce jeu en vrai, c'est un truc de ouf. J'ai pas peur de le dire moi. Ce jeu il pue. Attends, bah, que dalle, on se croirait dans le trou de balle d'un opossum les mecs. On comprend rien à ce qui se passe. C'est chaud quoi. T'as DL, le dernier jeu Star Wars, et là je suis mort. Allez, on change de jeu, c'est un jeu de merde. Ça commençait bien, et c'est de la merde. Du coup, qu'est-ce qu'on va se faire? Qu'est-ce qu'on va se faire? Qu'est-ce qu'on va se faire? Qu'est-ce que j'avais pris? Ouais, si, voilà, c'est ça. Sonic Heroes, Need for Speed Most Wanted, State of Emergency, V-Rally 3, Airblade, SSX on Tour, Terminator et Hot Wheels. Yo Jox, comment va? T'es plus Robotech, mais je pense qu'on est tous plus Robotech. Parce que ça, c'est vraiment de la merde. Yo Silmaril, bien. Le caca, c'est délicieux. On connaît ça. Eric et Ramsey, évidemment. Ça, c'est vraiment une après-midi à fumer 500 clopes. C'est quoi ces jeux? Eh mec, je me fais suffisamment chier avec le marathon PS1. Pourquoi je m'impose ça? C'est pas votre faute, hein, je le sais. C'est moi, je me suis dit, tiens, c'est faire des jeux de merde sur PS2. Faire des bons gros jeux de merde, ça va me détendre. Faute. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir du coup? Je rappelle évidemment, on a Sonic Heroes, Need for Speed, Most Wanted, States of Emergency, V-Rally 3, Airblade, SSX on Tour, Terminator, Hot Wheels. Voilà, je ferai une petite sélection vite fait. Balancez dans le chat. Je vois ce qui sort le plus et on balance. À quand un marathon PS2? Alors quand j'aurai fini le marathon PS1, donc en très longtemps. Et je sais pas. Franchement, est-ce que
Est-ce que honnêtement, Need for Speed Most Wanted, il est excellent. Je me rappelle, moi, c'est vraiment mon Need for Speed préféré avec le Need for Speed Poursuite Infernale. Le Need for Speed Hot Pursuit. Qui est un peu plus récent, mais qui est tout aussi bon. Qui est une espèce de remake de Need for Speed 3. Ah, mais oui, en plus, faut que je vous montre. Ça, c'est incroyable. J'ai récupéré ce Need for Speed Most Wanted dans la boîte. C'est un jeu Platinum. Il y a le jeu classique et le jeu Platinum. J'ai pas compris. Need for Speed Carbon, je suis pas fan du tout. Les Underground, les Carbon, c'est pas mon délire. Most Wanted, c'est cool. Mais après, dès que c'est du tuning à outrance, ça a tendance à me gonfler, quoi. Bon, bah, allez, go Most Wanted. C'est parti. Go Most Wanted. Du coup, j'ai pas compris. Le mec, il avait deux Scud quand je l'ai récupéré. Et c'est pas le seul jeu. Donc, je sais pas du tout c'était quoi le délire. Mais voilà, quand je suis allé chez le particulier, j'ai récupéré moult jeux. J'ai payé ça une misère en plus, c'était abusé quoi. J'ai payé ça vraiment une broutille. 40 jeux, je crois que ça faisait même pas. Si, ça faisait 50 centimes le jeu quasiment. Dans les 20 balles. J'ai payé ça dans les 20 balles, 40 jeux PS2, pardon. Plus quelques jeux en bonus, quelques jeux Wii et un jeu Xbox. Kingdom Under Fire en plus. Pas un jeu de merde. Je vous dirais que sur la PS2, bah évidemment. Parce que je vais me faire chier. Pourquoi j'irais me faire chier sans déconner? Most Wanted. Sorti en quelle année cette merde? 2005. English, je crois pas, non. On pourrait, hein, parce qu'on est taquin, mais non. C'est vrai qu'on est taquin en plus. 2005, on a dit. La jaquette. Plus grosse la jaquette, non? Puf. Dans le bonbon. Allez, c'est parfait. Underground 2, t'es franchement bien. C'est pas mon délire du tout. Hein. Les Underground, les Carbon et tout. Moi, je suis vraiment à l'ancienne. Même le Most Wanted, c'est vraiment le maximum du tuning que je peux tolérer, quoi. Au-dessus, ça me gonfle. Ah, mais oui, Mila dans Need for Speed Most Wanted, rappelons-nous. Eh oui, une conduite douce, responsable et souple à la fois. Hein, c'est comme le papier cul, toujours. Il faut que le papier cul soit doux, responsable et souple à la fois. Sinon après, tu te frottes un peu trop le derche, ça te fait saigner l'anus. Et ça, c'est désagréable. La meuf était plus fraîche que celle-là, mais tu sais pas ce que c'est que des meufs fraîches, excuse-moi. Déjà une meuf fraîche, une vraie meuf fraîche, elle sort du congèle. Elle est rigide. Déjà vous. Oh, it's like a déjà vu, you know? A rendez-vous! Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Il le kiffe, ça. Ah, oh, putain, Philippe, quoi. C'est clair, Philippe. Ça aussi, c'est Philippe, c'est une e-girl, c'est sûr.
C'est une e-girl de ouf, Philippe, quoi. C'était bien timé, ouais, je suis assez d'accord. Bah vas-y, lance. Comment je m'appelle? Pulpipi. Pulpipi. E-girl de l'infini, quoi. Non, pipi. Allez, c'est parti. Tatouage Picard sur le sein. Un tatouage Picard, c'est quoi cette merde, quoi? Pourquoi Pulpipi? Oh, c'est un clin d'œil Robin des Bois, quoi. Pulpipi, hémiplégiane, tout ça. Oudin le magicien. Ah, j'aime bien Pulpipi. Puis c'est vrai que je sens un peu l'urine, hein, des fois. Je vous le dis pas, mais j'ai une couche vigilance sur moi. Toujours. On sait jamais. On ne sait jamais, les mecs. Il suffit que tu vois, il suffit d'une fois. Il suffit d'une fois, quoi. C'est long. Oh, mais oui, c'est les écritures tribales à l'époque, rappelez-vous. Tous les mange-merdes qui se sont fait des tatouages tribales sur le bras et qu'ils regrettent aujourd'hui. Ça, c'est magique, tu vois. Ça, c'est des moments chocolat, des Nutella ou Choca Swing. Schweppes. C'est des moments Schweppes. Le moment où tu rencontres quelqu'un avec son vieux tatouage tribal mais qui le cache à moitié. Là, t'es bien. Là, t'es bien. C'est comme tous les mange-merdes maintenant qui se font des anneaux sur les bras. Les mecs, les anneaux sur les bras, c'est pour les fisters. C'est pour montrer. C'est pour se faire des tops. Tu vois, pour dire voilà. Mon meilleur pour l'instant, c'est là. C'est pour ça qu'après, t'as plusieurs anneaux. Et des fois, t'as des espèces de semi-full black plus épaisses. Parce que là, bon, à un moment donné, il a avancé que d'un millimètre. Donc, il progresse. Et hop, après, il a réussi. Il a mis un coudé tranquille. Mais les anneaux sur le bras, dès que tu vois un con avec un anneau sur le bras, demande-lui s'il est fister. S'il l'est pas, c'est que c'est encore. Il est encore plus mongol. Tu vois ? C'est-à-dire qu'à aucun moment, il s'est dit je vais essayer de comprendre le sens des tatouages avant de les faire. Tu vois ? C'est comme l'alarme sous les yeux, enfin, toutes les merdes, quoi. Essayez de processer un peu avant de faire un tatouage, s'il vous plaît, quoi. C'est important. Pour vous. Parce que après, moi, je m'en fous, ça me fait marrer, hein. Mais après, tu vas arriver sur un mec qui va commencer à te caresser l'omoplate, dire « Oh !» Il va voir ton tatouage, il va voir qu'en plus, t'as mis deux coudées. Il va se dire « Lui, il est chaud, quoi. » Lui, il va m'empoigner comme jamais. Il faut... À se retrouver avec des gens qui aiment évidemment la poigne ferme, tu vois. Hop. Et oui, puis tu vas être là, oui, ça va tranquille, je comprends pas, là, avec ta petite voix de victime, là. Ah non, mais en fait, non, changez rien, ça me fait marrer, en fait. Vous êtes géniaux. Donne-moi ton permis. Il est dangereux. Attention, il ne reculera devant rien. Je l'aime pas, lui, hein, déjà. D'abord, j'embarque ta bagnole et ta copine juste après. Tu vas bientôt pleurer. Ne te déconcentre pas, il en a sous le capot, alors ne te demande pas s'il prend de l'avance. Tribal dans le dos, la nuque, les symboles asiatiques sur la nuque. Ouais, menu 6. J'ai une meuf, elle avait menu 6 sur le. Tu sais, salade boboon, supplément NEM, avec évidemment le retail en complément. Menu 6. À tous les coups, il y a un tatouage anneau sur les bras. Ouais. Petits anneaux. C'est magique. Oh l'enculé, ça sent pas bon. Je m'en rappelle plus, mais ça sent pas bon. Oup, tu travailles à la fistinière. J'ai déjà nettoyé 2-3 litres de Musper, mais sans plus, quoi. Ça lance direct, c'est cool, ça. Ça lance direct. C'est magique. Ouah, c'est chaud à piloter de manière douce. Hey, y'a un truc qui cloche sur ta voiture. Tu as laissé une grosse flaque d'huile sur la ligne de départ. Il faut que tu finisses vite.
On s'est fait arnaquer. Somme spermatose, exactement, quoi. Qui avait l'oiseau de Auchan et son numéro de caisse tatoué sur la cheville. Mais non. C'est énorme, ça. C'est bon, ça. J'avais marqué, tu sais, la liste des courses, tu sais. Un kilo d'orange, deux paquets de vanilla, règle abondante, tout ça, quoi. C'est un tout merdier, quoi. Ah, les règles abondantes, les mecs. Ah, mais oui! Je me rappelais que c'était kitsch de ouf, quoi. Tu sais que c'était kitschissime. C'était kitschissime de ouf. Oh, mec. C'est sûrement pas la bonne rue pour courir, hein? Marqué Bob's ou Boobs? C'est une belle voiture. Ah, c'est Bob's. Lobsters. Bob's Lobsters, évidemment. C'est pour la frime tout ça ou il y a de quoi m'intéresser? Moi, j'aimerais bien jeter un œil sous le capot. Oh la pute! Eagle Spotted, les mecs. Je vais te dire ce qui va se passer. On va en être à moi. L'agent Croc. C'est un petit clin d'œil, ça. Et voir si tout oh la Eagle, quoi. Et moi, je suis sûr que non. Appelle la dépanneuse. Je crois bien que c'est fini, les courses de rue. Écoute, je vais te dire un truc. Les courses de rue à Rockport, c'est fini. J'ai une bonne petite surprise pour les petits rigolos comme toi, mais... C'est la vraie question, évidemment, c'est... Est-ce que les e-girls sont jusqu'au boutiste? Maintenant, tu sors de là. Est-ce que si, par exemple, on a de la e-girl en rétro gaming, est-ce qu'elles sont rétro jusqu'au bout? C'est-à-dire, comme les vieux films rétro, tu vois, genre Harry... Est-ce qu'elles sont hairy, tu vois? Pouf, grosse touffe, coupe afro. Sur le... La prochaine fois, tu vois ce que je veux dire? T'auras pas autant de chance. Monte un peu le son du jeu, vas-y, reste tranquille. Eh oui, mon gars, rétro jusqu'au bout des ongles. La bonne touffasse, quoi, tu vois? Ou alors, à la limite... Chatte rasée, d'accord, mais oignon poilu. Minimum. Voilà, tout ça. Pusley qui monte jusqu'à Mido. Enfin, la totale, quoi. À l'ancienne. Hein. Moi, je demande. Moi, je veux voir. Moi, ça y est, ça m'intéresse maintenant. Moi, je veux du spectacle. Je veux du grand spectacle. Y'en a marre. La flic à matière poil normal, mais évidemment, mon gars. De la bagnole, un peu de tuning. Ça, c'est un jeu pour les ch'tis, ça. Ça c'est un jeu de... Ça, c'est... Je pense que c'est des ch'tis qu'on fait le jeu. Et encore, pas que des ch'tis. C'est après, tous les gens pas ch'tis se sont barrés. Et du coup, paf, Need for Speed Underground 1 et 2, mon gars. Le jeu 100% ch'tis, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit ça, ça sent l'huile de friture. Pas de problème, quoi. D'ailleurs, les bagnoles, y'a pas d'huile de vidange, hein. C'est de l'huile de friture direct. Ah oui, non, c'est vrai qu'il y a un mode... Ah voilà, c'est là le petit. Oh, je serais pas en train de l'enculer là. Ah non. C'est clair, il regarde pas, il s'en pègue, il meurt. Ce serait incroyable s'il pouvait mourir aussi. Ça, ce serait vraiment incroyable. Pourquoi je joue mal moi? Je joue mal, les mecs. Je vais jouer à Wreckfest, après ça ira mieux. Déjà vu. Ta-na-na-na-na. Je suis en train d'enculer ma caisse. Bah, les steaks. J'ai peur de rien, moi. Oh, mais je vais perdre, c'est sûr. Casse-toi. Eh oui. Oh non. Oh, glitchy, glitchy de Nina Glitchy, quoi. T'as le permis? Ouais, j'ai même le permis ambulance.
Je suis obligé de prendre des cours de conduite dangereuse. Sur circuit et tout, enfin je te raconte pas le merdier quoi. Mais c'était marrant. Oh j'ai perdu c'est sûr. Non mais là je fais le con aussi, je suis pas bien installé, je fais le con, je vous lis, je raconte des trucs. Do your thing, TI present the PSC, yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ah putain, attendez. Je voulais regarder, c'est Black Friday mes couilles. Faut que je regarde sur Amazon s'il n'y a pas des... S'il n'y a pas des... S'il n'y a pas des... comment... Des promos sur les PS4. Genre des méga promos quoi, genre moins 50%, sinon je peux pas. Non. Y'a que dalle. Oh, il y a PS4 Pro Death Stranding s'il te plaît. 450 balles, mais j'ai dit putain, je peux pas foutre 450 balles dans une console, les mecs. Putain. Vous êtes fous quoi. Craqué, quoi. Eh, faut que je me retape. Mais non, faut que je me retape tout. Oh, c'est bon ça. Oh, faut que je me retape tout, c'était sûr. Pas la bonne rue pour courir, hein. C'est une belle. Qu'est-ce qu'il voulait, mon zinc? Compteur, levier, genre. Qu'est-ce qu'il voulait? C'est pour la frime. Toi qui voulais? Moi j'aimerais bien. Toi qui voulais? Toi qui voulais, je ne sais pas. Sous le capot. Bon, pas sur son portable. On va emmener ta voiture, la désosser, et voir si tout ça est bien réglo. Et moi, je suis sûr que non. Appelle la dépanneuse. Je crois bien que c'est fini, les courses de rue. Écoute, je vais te dire un truc. Les courses de rue à Rockport, c'est fini. J'ai une touché surprise. Qui voulait toucher toi, mais c'est pas ici que ça se passe. Maintenant, tu sors de là. Je l'ai tellement kiffé, ce jeu, c'est ouf. Ce jeu, j'ai vraiment, vraiment apprécié à l'époque. Prochaine fois, t'auras pas autant de chance. Mais quel énorme fils de pute! Belle peinture. Je le fume en T-Max. Tu m'étonnes. Moi, un mec qui me fait un signe comme ça, mais je l'encule direct, quoi. Oh putain, le gang de losers, quoi. Ouais, je suis concentré. À la limite, j'ai pas l'habitude, ça tombe trop. Ouais, je suis magique, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis magique. Do you believe in magic? Scooby-dooby-doo up. Ouais.
Oh l'enculé! Mais non! Je vais encore perdre. Je vais encore me retaper la vidéo toute pourrie, quoi. La vidéo toute pétée avec des acteurs de seconde zone, quoi. Mecs qui ont tourné que dans des films de Tommy Wiseau, quoi. Je cours fast. Je cours fast. Ah oui! Et une foule en délire. Sans balai glaoui. Quatre go fast. Je le prends en vidéo et je fais le buzz sur Malaise TV. Qu'est-ce que tu dis, Malaise TV? Bien sûr qu'il est mauvais, t'attendais à quoi, toi? Il a chié de ouf, ce mec. Continuiser. Résor pilote. Encore un petit crâneur qui veut prendre une raclée. Et pourquoi tu veux te faire autant de mal? Donne-moi plutôt les pistes tout de suite. Crâneur ou pas, cette bagnole est chouette. Mia Townsend. Voilà, c'est l'atout charme évidemment de ce jeu quoi. On est sur de la e-girl de compète quoi. J'ai entendu Trésor, j'avais. Ça c'est de la e-girl de compète quoi. Ah d'accord. Là si avec ça je fais pas 5000 vues, autant de likes, autant de toutes les merdes qui traînent sur les réseaux sociaux. Mais t'as niqué le moment. Tu viens de niquer le moment putain. J'étais sur un moment intense, tu viens de le niquer. Pourquoi bagnole égale pouf? Alors ça... Faut demander ça au rassemblement. On ne peut plus parler sur ce stream, c'est sûr. Faut demander ça hein, dans un rassemblement tuning à Turcoing. Ah, tu sais, ouais, juste en face de la aux chaussures. De temps en temps, t'as des petits rassemblements tuning. Hey, salut les meufs qui servent à rien et qu'on verra plus. Ah ouais, tu veux jouer gros, hein, c'est ça? D'accord, ça marche. Ouais. Mais c'est pas un petit tribal qu'il a sur l'épaule, cet enculé? On a plusieurs types ici qui veulent se faire une petite course de rue sur les docks. Vous feriez bien d'envoyer les flics tout de suite. Et aussi une ambulance, d'ailleurs. Oh, c'est incroyable! Ce qui se passe, évidemment, mesdames et messieurs, est absolument incroyable. Que vous le vouliez ou non, on est sur un moment de total epicness. Je t'aime, Lyon. Et moi aussi, je t'aime, évidemment. Mais c'est quand même plus facile pour moi, je te vois pas, quoi. Mais non. Oh les enculés de flics! En vrai, un de ces quatre, je pense qu'on se fera le hot poursuite. Je l'ai sur PC en plus. Je crois que c'est Akko. C'est Akko qui me l'avait offert.
Si je dis pas de conneries, il me semble que c'est Akko qui m'avait offert le hot pursuit. C'est vraiment un de mes jeux préférés en termes de Need for Speed. Il y a moyen qu'on se le claque parce qu'il se joue bien, visuellement il reste très beau, même si c'est un jeu de 2010, si je dis pas de conneries. Mais t'as rien du tout en visu! C'est vrai que t'avais déjà des points, coup de poursuite, coup de machin. Ou des bambous. Coup des bambous, coup des massues. Tu veux voir du dérapage? Je viens de t'en faire un bout là. Moi je dérape pas après. Moi. Je sais combien ça coûte ce genre de pneus. Hein. J'ai les mêmes sur ma bagnole. Ça coûte 1000 balles les 4. J'ai pas envie de faire le Golemon. Oh, je suis chaud. Rewaku, c'était comment Transformer ? Transformation. En plus, c'est un vegan qu'un loubar. Oui. Bah, c'est un vegan loubar, quoi. C'est-à-dire, tu sais, il est un petit peu coquin, quoi. C'est-à-dire, il mange des fruits et légumes morts, mais de temps en temps, il arrive à gratter un croc de McNuggets dans le plateau d'en face, sans se faire gauler, tu vois. Loubar, mon gars. Ouais, Transformers, c'était ouf. Mais pas dans le bon sens du terme. Enfin, en fait, c'était entre deux. On est sur de l'infestation sur 20. Tu vois, ce jeu va être une putain de référence pour tout maintenant. On est sur de l'infestation sur 20, tu vois. Alors quand je vais jouer à Death Stranding, je vais dire, ça me rappelle Infestation. Voilà, c'est un petit peu le même ressenti. Putain, seulement j'avais une putain de PS4 qui marche là, je pourrais y jouer à Death Stranding, ça me rend fou ça aussi, quoi. Infestation 12 sur 20, mais oui, évidemment, je rappelle. Ouais, mais sur JVC. JVC, c'est quand même, voilà. On est sur des toilettes sèches dans un festival occitan, quoi. Tu vois un peu le délire. Le truc reste 3 jours sur site. Le festival est bien, pas de problème. La musique occitane, c'est sympa. T'as un peu de tout, tu vois, bon. Musique du monde, c'est sympa. Mais la toilette sèche, elle reste là pendant 3 jours. Personne va la changer, tu vois. Et au bout de 3 jours, oh putain, j'ai vu le .com, les mecs. De la cire, tu la vois plus. Mais alors, par contre, t'as les amas d'excréments, t'en peux plus, quoi. Et une odeur. T'es là. Oh ! Tire au toto, non ? Non. Gros jeu. Je mange. Bah, bon appétit. Bon appétit, hein. Je sais pas ce que tu manges, mais... Si de base, ce truc que tu bouffes a une petite couleur marronasse, tu penses à moi. Bisous. Moult bisous, évidemment. Ça sent le vécu. Ouais, bah oui, chez nous ça arrive. Souvent tu fais des festoches, tu joues dans des festoches. Puis tu te rends compte que c'est un festoche occitan, musique occitane. Toi tu fais du métal en anglais, comme un gros con. Et puis ouais, tu te retrouves. Tu vas aller au chiottes et à marquer Loupissadou, Loukagadou. Et c'est les putains de toilettes sèches de leur mort, quoi. Parce que c'est éco-responsable, alors que c'est éco-responsable de rien. Après, ils laissent tout traîner sur site, tu vois. C'est juste que c'est des feignasses, quoi. C'est les putains de feignassou. Tu en veux des trucs en ou là, occitan, feignassou, enculadou. Enfant d'incestou, enfin voilà, la totale, quoi. Wow, 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 wow. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et moi j'aime rien de manière générale, voilà, je préfère vous le dire de suite, quoi. J'aime rien, quoi qu'il arrive, de toute façon, je râlerai de tout. Je suis le genre d'occidental de merde, tu vois, qui a un toit au-dessus de la tête. Qui a à manger tous les jours et qui arriverait
qui arriverait à se plaindre de sa vie parce que au cours d'un repas frugal, frugal repas en plus, hein, entrée, plat, dessert, avec du vin à table, et bien au cours de ce même repas, des gens ne m'ont pas parlé. Et ça, ça m'a frustré, tu vois. Les gens ne m'ont pas parlé, je me suis senti mal, j'ai eu l'impression d'être ostracisé. Et c'est une des choses, c'est une des pires choses qui ait pu m'arriver dans la vie, tu vois. T'en as d'autres, la pire chose qui leur arrive dans la vie, bah, ils sont en train de manger au calme, enfin en train de manger. Ils se partagent deux asticots avec toute la famille, ils sont 17. Et là, t'as des mecs qui arrivent avec des kalachnikovs et qui butent tout le monde, sauf toi. Ha ! Journée de merde. Et c'est pas fini ! Ils te violent à 600 et ensuite ils te vendent au plus offrant pour que tu ramasses des pêches à vie. Voilà. Et encore, le mec se plaindra pas parce qu'il dira, bon, pff, finalement c'est une journée ordinaire. Voilà, et moi je suis le genre d'occidental qui fait la gueule parce que bah, on lui a pas parlé. Voilà. Elle est bien ma vie. Hein. Ah oui, et je suis lucide, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je suis lucide. Je suis lucide. Non mais c'est vrai, c'est vrai. De prendre les choses avec du recul qui finit par juste et qu'il ne voit pas. Bah oui. Non mais moi ça m'amuse. Je dis ça, ça m'amuse évidemment, je râle jamais. Ou alors, parce que ça m'amuse, toujours. Mais ça c'est mon petit plaisir à moi ça. Monologue sur 20. Mais je suis en train de streamer, évidemment que c'est un monologue. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Je vous vois pas. Je vois les trucs écrits, s'il faut c'est même pas vous. C'est des... S'il faut je parle tout seul pour de vrai. Tout ça au dessus là c'est des bottes que j'ai payé avec l'argent des abonnés. Je te gifle, je te gifle, gifle, pauvre fille, car tu m'as manqué de respect. S'il faut, tout ce que vous voyez là, c'est des bottes que j'ai acheté avec l'argent des abonnés. Des abonnés qui sont des bottes également. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Arrête, j'ai gagné, putain. Ostracisé, juste le mot devrait te faire taper dessus. Et pourquoi? Eh, vous êtes des ouf, les mecs. Il faut utiliser les vocabulaires. La langue française est une langue extrêmement riche. Je vais pas passer ma vie à dire. Oh, c'est le bordel rouillard, qu'est-ce qu'il y a? Non, les mecs, on vaut mieux que ça. Moi, je peux prouver qu'on peut vivre, qu'on peut revenir d'un peuple qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir, et qu'on peut maîtriser la langue française bien mieux que tous ces enculés de racistes, quoi. Voilà. Quand un bon gros cissera des familles qui arrivent, qui arrivent pas par là, dans le coin, il y en a quelques-uns dans le sud, hein, on n'en manque pas. Hein, et on a Ménard, donc il a peut-être ramené tous ses potes, on sait pas, hein. Tatis Céli, c'est je vais me faire une petite équipe de foot, le FC Cissera, là, Béziers, je vais me mettre bien. Voilà. Voilà, et quand tu maîtrises la langue française mieux que ces enculés, bah, la journée est douce. La journée est douce. Après, tu peux. Le soir, tu touches à ton mafé, il a meilleur goût que d'habitude, hein, je te le dis. Les petits macroutes là, hein. En fin de ramdam, j'ai un bol. C'est bon ça. Me rappelez pas que ça avait ce goût là. Le kéké trésor est vénère. Mais tu vas voir, trésor, je vais le balayer. Hein. Il est pas prêt, il est là, il est un petit peu énervé, mais en vrai, c'est une petite chatte. Donc ouais, je dis ostracisé, sibylline, valitudinaire, des termes abscons, voilà, j'ai que ça à foutre des fois. Mais je sais que c'est maladif, hein. Je pense que c'est un peu comme pour le jeu vidéo. J'ai envie d'apprendre des trucs, et des fois, pareil, vocabulaire français, j'ai envie d'apprendre des trucs, et ça en est maladif. C'est une maladie, mais je me soigne pas, c'est ça le pire. J'ai pas envie de me soigner, ça me fait beaucoup trop marrer, quoi. Je suis un peu en mode Dickeneck, moi, tu vois. C'est un petit peu le « je sais que je peux pas plaire à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, franchement, ça passe. Ça passe crème. » Quand je vois que les gens qui m'aiment pas, c'est souvent des gros enculés. Des... Enfin, voilà. Tu sens que les parents, s'ils sont pas frères et sœurs, c'est pas loin, quand même. En tout cas, ils se connaissent. Ça me va. Ça me va bien. Qu'est-ce qu'il fait devant, lui? Pourquoi il est devant?
Viens là, ma biche. Là, ma biche. Oh oui, il m'a perdu. Je nique tout ce qui m'aime pas. Non, je nique pas tout ce qui m'aime pas. Ce serait... Non, non, non. T'es ouf ou quoi? T'as pas l'intérêt de donner du plaisir à des gens qui m'aiment pas. Non, non, non. Non, non, j'ai rien à foutre des gens qui m'aiment pas en vrai. Mais je vais l'enculer, Rad, l'avance que j'ai, c'est gagné, c'est sûr. Mais non! Mais pue ma vie, rends-moi ça! Tu es trop éclectique, je suis rien du tout, les mecs. Que ce soit clair. C'est la meilleure philosophie. C'est la meilleure philosophie. Philosophie? Je n'ai qu'une philosophie! Allez, quoi. C'est la meilleure philosophie de vie, les mecs. Partez du principe que vous n'êtes rien et que vous ne savez rien. Comme ça, au moins, la vie est douce. Et tu passes ton temps à avoir envie d'apprendre des trucs. Et quand les gens te crachent à la gueule, tu leur dis « Ah bon, toi aussi, tu sais ? Qui t'a dit ?» T'as jamais joué à Carbon ? Si. Si, si, Carbon, c'est là où ils ont intégré les courses en montagne et tout. Si, si, je l'avais fait. Mais je suis pas... Tu restes tous les domaines, dans un domaine à tous les sujets. Ouais, oui, mais après non, je suis pas à ce point-là éclectique. Par exemple, le badminton m'intéresse peu, tu vois. Toi, le jokari, rien à foutre. Le cricket, je m'en bats les couilles. Je les sortirais bien, je mettrais bien 2-3 coups dessus, mais on est sur Twitch. Non, je suis pas éclectique du tout. Curieux, je suis curieux. Je suis curieux, à la limite, épicurien, on pourrait dire, voilà, encore un magnifique terme de la langue française, je suis épicurien, épicure et la luxure, quoi. On s'en fout, là où il va, il n'en aura pas besoin, et dans la grande maison... C'est vrai que c'est une bonne philosophie de vie, ça évite beaucoup de moments où tu peux douter, toutes ces merdes. T'aimes bien l'astronomie? Oh, tu sais moi, Madame Soleil. Oh putain, elle est bien celle-là. Ah, j'ai pas dit l'astrologie, j'ai dit l'astronomie. En plus, elle m'attendait sur Minitel à chaque fois. Je me rappelle quand j'étais petit. Je suis Madame Soleil, je vous attends sur Minitel. Putain, j'ai pas de Minitel, les mecs. J'ai papa, pourquoi on a pas de Minitel? Il me disait, mais on a pas d'argent. Mais je veux pas d'argent, je veux un Minitel. Il me disait, mange ce que t'as dans l'assiette. Mais y'a rien. Mais mange ton assiette. Mais j'ai même pas d'assiette, il disait. Oh, quelle. Ouais. Rémi sans famille a été écrit sur moi, hein. Oubliez pas. Oh, j'en peux plus de moi. Pourquoi je dis tout ça, moi? À quel moment je pars en vrille? Il y a un moment donné, tu sais, je pars en vrille, je pars en freestyle et j'y vais, quoi. Et vu qu'il y a personne à côté pour me mettre une bonne queue là, c'est une bonne rafale de phalange pour m'arrêter, mais je m'arrête pas, quoi. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Personne est là quand il en a besoin, quoi. Oui, tu as tellement plus de staveurs avec toi, mais y'a pas de problème. Là, je suis en roue libre. Mais toute ma vie, je suis en roue libre, c'est une horreur. Mais bon, ça me va bien, parce que du coup, j'ai les amis que je mérite et. Et puis, on se marre bien de ouf, en fait, quoi. C'est des amis que j'ai depuis que je suis tout petit, depuis le collège. Depuis le primaire et le collège, et puis c'est... voilà. J'ai la chance de pas avoir de faux semblants avec les gens autour de moi, donc c'est cool. Qu'est-ce qu'on prend comme merde? Oh, une Fiat Punto. On va prendre une Fiat Punto, les mecs. Oh, CRP. CRP, les mecs. Fiat Punto. Mon gars, quoi. Fiat Punto, Seat Ibiza. Voilà. Renault Clio. Peugeot 206 Dormoum, on est bien. Salut, c'est moi. Regarde un peu ta carte. Rends-toi à l'endroit dont je t'ai parlé. Et de la dépression. À plus. Ou du nervous breakdown. Non. Non, non. Non, non, je suis complètement hermétique à tout ça. C'est très bizarre. Mais après, c'est peut-être possible. Hein. Je me dis peut-être, voilà, quand j'aurai 50 balais, j'ai avoir une espèce de redescente, tu vois, de... Mais jusqu'ici, non. Non. J'arrive, j'ai beaucoup de mal à me plaindre de quoi que ce soit parce que
j'ai eu beaucoup trop de chance. J'ai eu beaucoup trop de chance dans ma vie et... J'ai pas de... Enfin, quand j'ai de la chance, c'est-à-dire à mon niveau, il m'est jamais rien arrivé de mal. Quand j'ai essayé des trucs, ça a toujours marché à mon petit niveau. J'ai voulu essayer quelque chose, j'y suis arrivé. Voilà. Donc, se plaindre, ce serait quand même se foutre de la gueule du monde, quoi. Salut, c'est moi. Regarde un peu ta carte. Rends-toi à l'endroit dont je t'ai parlé. On se voit là-bas, à plus. Allez, salut. La tchatch, c'est un plus. Ah non, mais c'est le bagou. Ça, après, je t'avoue, ça, c'est un truc qui sauve. Voilà. J'ai un potentiel incroyable, incommensurable pour raconter des conneries. Et en plus, les mettre en abîme. Tu sais, les mettre en espace. Tu vois ? Ah, moi, je te vendrais n'importe quoi. Hein. Quasiment. Je pense que je pourrais vendre du Vagisil à des hommes. Et même à des e-girls. Hommes. Je précise. Ça va les chevilles, ouais. Bah, depuis que j'ai mes Converse. Que j'ai acheté avec l'argent des abonnés. Ça va. Ouais, une fan club, j'en peux plus. J'en peux plus de moi, quoi. J'en peux plus. Faut pas me regarder l'après-midi. Vous le savez, c'est n'importe quoi. Je peux gueuler, y'a personne à la maison. Du coup, ça y est, quoi. Je me crois à la récré, quoi. Je crois que je suis en récréation, c'est n'importe quoi, les mecs, vous le savez. Pourquoi vous dites rien? Pourquoi personne signale ma chaîne? C'est n'importe quoi. Allez, non, c'est un clope. Bah oui, je suis un sport de Converse. Je suis un vieux punk à chien, moi, les mecs. Bon, je suis un punk à chien d'appartement, quoi. Chihuahua, tout ça. Enfin, les trucs pas trop chiants, quoi. Il y a un signe quand on se brise pas et qu'on peut gueuler. Ouais. Pour ça, le problème, c'est que le soir, j'ai ma petite famille qui dort un étage en dessous. Donc je peux pas me permettre de gueuler. Puis bon, gueuler, c'est pas trop mon délire, quoi. Après, taper des barres, c'est mon délire complètement. Signalé deux fois déjà. C'est toi? Oh putain, je me demandais qui c'était, quoi. Ok, ça s'explique. Putain, mais il fait presque gris. Et en attendant, les Converse, ça faisait 15 piges que j'en avais pas mis. Même plus, hein. À l'époque, je payais ça 100 francs. Ça valait que dalle, les Converse. Je suis arrivé dans le magasin, je dis, je voulais tester les Converse. Elle me dit 70 euros. Je dis non, mais je veux pas la boutique, gros. Je veux juste une paire de Converse. 70 balles, j'étais chaud, quoi. Je dis bon, allez, on se fait un kiff. Mais je regrette pas. J'aime bien les petites Converse. Des jeans slip, c'est quoi cette merde? J'en ai jamais entendu parler. Oh, des jeans slim, non, moi je mets des pantalons à l'ancienne, large. C'est les trucs de skater, quoi, de gros cons. Allez, c'est reparti. Non mais en plus les jeans slim.
Même si je suis monté fin, je suis sûr que ça me met mal. Ça va me serrer. J'ai une slim dans la rue avec leurs jambes de transsexe au Brésil. Ah le bâtard. Oh le bâtard. Ah mais c'est vrai qu'on peut se balader, monde ouvert, mon gars, open world. Ce terme qui n'a aucun sens. La Fiat Punto, les mecs. Vous pouvez pas tester la Fiat Punto. Merde, c'est quoi le frein à main de qualité? Oh! Temps de chargement. On est bon. Quelle heure il est? Ça va, ouais. Je vais pas tarder à vous abandonner quand même. Petite demi-heure là et après terminé. C'est n'importe quoi cet après-midi. Ce jeu, j'ai saigné. Mais je pense qu'on l'a tous saigné. Tu as trouvé, c'est bien. J'ai l'impression, enfin, peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus ou moins le plus populaire, quoi. Quand ça chauffera un peu trop, tu pourras rester là. C'est le plus populaire. Récupérer ta bagnole. Il y a beaucoup de boulot. Ah oui, avec la liste des 15. Et battre tout le monde. Mais avant d'en arriver là, tu dois le fameux 15 de départ. Choisis les bonnes épreuves. Fais monter ta prime et tu pourras défier un coureur classé. Et quand tu les auras toutes, bah, Razor. Après, on va affronter Razor. Razor pilote. Mais comment je joue très bien. Je te laisse, tu as du boulot. Très bien. Underground, je suis pas fan d'Underground. J'ai l'Underground 2 qui traîne par là. Là, où il est. En fait, c'est Tokares Driver. Je m'en fous. On a Verali 3. On aurait pu faire Verali 3. Ça aurait été raccord. Ce rigolo là, c'est Sony. Lui, le fric de papa, il l'engouffre dans sa voiture. Il adore jeter l'argent par les fenêtres. C'est toujours bon de courir contre lui quand on veut se refaire. Mais viens sur mon stream, Sony. Allez, viens. On achète du matos. Ah, moi, les trucs trop tuning, ça me gonfle très vite. Ça a été un peu le même délire avec Midnight Club. J'aimais bien Midnight Club, mais dès que ça commençait à partir trop dans le tuning et tout, ça me gonfle. Oh le cliché quoi. Oh le cliché, il est asiat donc forcément t'as du japonais écrit partout quoi. Cliché sur 20. Course. Vas-y, on va lancer la course. On est fou. Allô. Tu sais que ça marche pas avec moi. Hein. Ursemos bien. Faut que tu m'expliques comment tu l'as fait alors que je vois pas la. Alors que je vois pas la commande. Ça c'est fort. Oh là ça va être là vraiment les courses de bagnole usine, ça craint. Mon voisin a commencé les travaux. En fait, le déclencheur, c'était le mot underground. D'accord. Énorme. Énorme. C'est bon, ça. Putain, c'est malin. C'est malin. C'est très malin. Bien joué. Oh non. Si. Bah là, Underground, ça n'a pas marché. Mais non. Tu gourais de touche. J'ai pas de nitro. Tristesse. Oh, mais il est parti loin le premier là. Ah, si, ça marche.
Oh, je fais de la merde. Je fais de la merde. On perd pas mal de vitesse quand on touche, hein. Oh, je suis dernier, quoi, plus le pipi. Et alors, plus le pipi? En stéréo. Oh, je suis chaud là. J'ai tout rattrapé direct. Allez, troisième. Ah oui! Oh, j'ai tout niqué, mais oui! Troisième, ça pue. C'est avec des phrases entières, mais apparemment il aime pas, d'accord. Et quel escroc, quoi. Mais quel escroc de ouf. Pourquoi ils me mettent pas la touche pour lancer la course? Ok, très bien. Plus le pipi, mais c'est les clins d'œil à... C'est quoi la touche, putain? C'est référence au Robin des Bois, quoi. Plus le pipi, Émile Flégial, Oudin le magicien, tout ça, quoi. Truc nul, quoi. Flèche vers le haut. Très bien. C'est la flèche vers le haut. Oh non, mais attends. Eh, chacun son rythme, les mecs. Je vous l'ai déjà dit. Oh, il y a 10 cents. C'est comme 50 cents, mais encore moins cher. Chaud, ça. Déjà, 50 cents, pas cher. Elle fait pas des miracles, hein, la Fiat Punto. Oh oui! Déjà vous! Bien là, je suis premier. Allez, je reste concentré. I need to concentrate. I need to relax. Bref. Mais non. Ça reste très jouable et ça reste assez bon encore. Pour de la PS2, c'est très propre. Moi, j'en demande pas plus à une PS2 en vrai. Oh, le jump incroyable. Mais non, t'es trop con. Eh, tu peux peut-être pas le droit d'être aussi con, c'est impossible. Y'a des lois contre ça.
Ouais, il sortit son manière. À part le. C'est lequel? Non, le Pro Street, il était chiant. J'ai vraiment pas. J'ai pas compris leur délire là, avec le Need for Speed Pro Street là. C'était casse-couille de ouf ça. Espèce de Grand Turismo au rabais quoi. Et le dernier, j'ai pas testé là, le Hit. Je sais pas du tout ce qu'il vaut le Hit. Mettre Formule sort un nouveau Half-Life. Ouais, non, mais c'est un Half-Life VR. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un véritable Half-Life 3, pardon. Je suis pas. Voilà. Ça va 200 km une Punto. Chez moi, non, hein, mais après. Tu vois le Jimen dans le trailer, oui. Mais bon, ça reste un jeu VR, on n'est pas du tout sur ce délire là quoi. Dans le Hot Pursuit, vraiment, moi je vous le conseille. Le Hot Pursuit, il est vraiment classe. T'as vraiment deux carrières distinctes en plus. Tu veux faire la carrière de flic ou la carrière de voyou, de pilote. Oh, c'est vraiment un bon délire quoi. Ah, dans le jeu, tu peux monter à 200 et quelques avec une Punto, c'est énorme. C'est plus qu'un simple jeu VR, bah écoute, on verra. Hein. On verra. Après, je pense qu'il y a un coup à jouer. Le problème, c'est que la VR, c'est. Ça reste. Pour l'instant, ça reste encore très anecdotique. Quoi. Les jeux, ça reste vraiment des mini-jeux et compagnie. Donc à la limite, c'est vrai que Valve peut encore une fois nous baiser le cul. Et sortir un vrai jeu VR et puis lancer véritablement la VR. En même temps, Valve, ça a toujours été ça. Ils sortent rarement des trucs, mais quand ils sortent un truc, tu prends une petite claquinette. Et t'attends désespérément la suite qui n'arrivera jamais. Et les champions, Valve. Skyrim VR, je suis pas fan du tout. Je trouve que ça marche pas. Enfin, moi j'ai du mal quoi. Autant j'ai aucun mal à jouer à Ace Combat 7, à F-Valkyrie, enfin des jeux où t'es assis dans un cockpit. Et vu que t'es assis également, bah, ça marche bien. T'as une bonne immersion. Autant Skyrim, j'ai du mal parce que ouais, je joue à la manette. Les déplacements, bah, je les ressens pas vraiment parce que je suis assis. Enfin, ça marche moins, je trouve. À ce soir Wakuma, enfin sûrement à ce soir. Normalement je stream, mais on sait jamais. C'est vendredi, il peut toujours y avoir un truc qui pop. Une soirée, un truc, donc voilà. Je dis rien pour l'instant. Ah oui, il faut que tu rachètes quand même VR. Ça par contre c'est vrai que c'est la baise. Ça c'est vrai que c'est la baise. En tout cas ce soir il y a moyen de le finir Infestation, enfin j'espère. Et se faire un petit V-Rally 2. Je vais sortir ma plus belle casquette Repsol. Ça va être magique. Ah mais il y a 3 tours, j'étais là, je vois, c'est gagné. Comme Fallout 4 VR. Ta soirée c'est nous, écoute-le lui. Mais quel escroc. Little est éliminé. Oh mais je leur ai mis un petit Zef là. 60 balles le jeu en VR. Ouais non. C'est abusé. C'est franchement abusé quand même. Surtout si véritablement tu touches à rien.
Juste tu fais en sorte de pouvoir y jouer en VR quoi. Donc, c'est plus un add-on du jeu quoi. Je comprends pas le délire. Mais bon, après. Vous savez où je peux trouver une clé Windows 10 pas trop chère? Aucune idée. Je suis encore sous Windows 7 moi. Donc, Oh, c'est Disturbed, c'est un truc comme ça la musique. Incroyable, incroyable. Musique de trop grande qualité. Les agents de sécurité ont arrêté, ouais. C'est pas ça qui va m'arrêter moi. Hein. Un. Zbré. Zbré que zbré. Chef, où tu sors ou je te somme avant de prendre une décision. Cheers, sang. Merci infiniment, Fury Crazy Half. Merci infiniment, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir, merci pour les 100 bits. Valanche de bits, incroyable. Merci beaucoup, comment va? Tiens, mon loulou, c'est pour toi. Ah, bah, c'est sûr que si tu me parles comme ça après. Ah, t'es malicieux toi, j'aime bien. C'est Chris, putain, arrête de changer de pseudo tout le temps. C'est incroyable. Je suis perdu moi après. Yeah. C'est cool de voir ta bouille. Bah ouais, bah viens, il passe. On ne voit plus en soirée, comme on dit chez nous. Allez, petite course. Il est moins le quart, ouais. On a le temps d'une course, à l'aise. À l'aise. Ce soir, si j'ai pas d'imprévu, on devrait faire un petit stream PS1, là, à la base, quoi. Là, c'est de la merde. Hein. Tout le temps copié, mais jamais égalé. Quoi. Même les girls essaient de me copier maintenant. C'est incroyable ce qui se passe. Ouais, ce soir, Infestation. Normalement, on devrait le finir. On passerait à Verali 2. Si tout se passe bien. Écartez-vous, j'ai une Fiat Punto, les mecs. Elle est OP, ma Fiat Punto. Elle est quittée 80 pour Ninja, en plus. Ma pétrolette. Fiat Punto, c'est ma pétrolette. Je t'en supplie, finis-le. Normalement, c'est la dernière... Enfin, je pense que c'est la dernière mission, ou l'avant-dernière, tout au plus. Je suis même pas sûr d'en avoir... J'suis même pas sûr d'en avoir fait un quoi. Un jeu PS1. Mais non. Here comes a new challenger. Yes, merci Fardesal pour le host. Merci infiniment, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir. How are you, my friend? Galet de 5, toujours. Ah oui. C'est ma pétrolette, ça. Yo, Fardesal, comment va? Mais tu surveilles rien du tout, j'ai bientôt fini la course. C'est d'Armoum, va. Si je joue PS1, surtout ma Lara Croft. Qu'est-ce qu'elle a fait encore, la petite Lara Croft? Ah, c'était trop classique, Lara Croft, c'est beaucoup trop classique. Ah, les Need for Speed, t'en as pas fait encore, yes. Chelou. Avec tous les Need for Speed qui sont sortis. Ça roule, ouais, ça roule. On a testé des jeux incroyables jusque-là. C'était magique. On a fait Extreme Express. Gros jeu de course de RAM de RER. J'étais à fond sur elle, je jouais que à ça. Ouais, non, je comprends.
vrai que moi, quand j'ai eu la PS1 avec Tomb Raider, je le squattais de ouf, Tomb Raider. C'était magique. C'était magique de ouf. Continuons à se... Oh, on va s'en faire encore une petite. On va s'en faire une petite de course encore. Quoi ? Et si on customisait cette magnifique Fiat Punto ? Avec des motifs tribaux. Un bon gros truc de victime, ça. C'est parti. En 50 et 60, ouais, après tu sais ça change, enfin si ça change un petit peu, mais on avait tellement l'habitude. Ça nous choquait pas. Alors les pièces. Kit carrosserie, est-ce qu'on peut se faire un kit incroyable? Carrosserie 1. C'est pas mal, mais c'est pas ce que je cherche. C'est pas mal, mais c'est pas ce que je cherche. Ah ça je peux pas. Oh c'est ce que je voulais. Et quoique. Eh franchement. Voilà, on ajoute au panier. Si on mettait un spoilé. Si on se mettait un délicieux spoilé. Oh, celui-là, il est bof. Celui-là, il est pas mal. Ah, celui-là, il est mieux encore. On va mettre celui-là. Voilà, là, si on n'est pas en mode Earthmoom, c'est pas, on sait pas ce qu'on fait. Yo, Katenpoum, comment on va? On a 6000. Oh oui, prise d'air au toit. C'est, non, ça, c'est la base. Est pas mal. Ah, celui-là il est magique. Non. Non. Ah, attendez. Non. Ah, pas mal. Ah, oh, celui-là il était. Celui-là il est incroyable. On est obligé de prendre celui-là, je pense. Le capot. Le capot, très important. Ah, c'est 1500 un capot. Il me reste que 1000. J'ai pas assez. Je suis désolé. Je vais repasser aux jantes. Qu'est-ce qu'on prend Roja. Qu'est-ce que tu proposes, Roja? Non. Non, ça me plaît. Moi, oh, si, allez, vas-y. Allez, voir panier. Validé. Oui, ma voiture est incroyable. T'as pas pris la Clio, il y avait pas. C'était la Punto et deux autres caisses à la con. J'aurais pu faire les performances, mais en vrai, je m'en fous. Moi, je suis un kéké du Nord. Faut que ma voiture elle en jette. Même si tant pis, elle se traîne sur l'autoroute. Ça m'est égal ça. Elle est pas merveilleuse ma bagnole. La Fiat Punto de victime quoi. Elle est quittée 80 cousin. Il reste quoi? Il n'y a plus rien. On va aller à la planque. Allez, c'est parti. T'as Tourista ou passe le bonjour? Bah, tu lui passeras le bonjour à ta Tourista. Tu lui diras évidemment. Cool. Un que j'ai fait sur PS3, c'était Midnight Los Angeles. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure des Midnight. Ouais. Midnight Club. J'aimais bien certains Midnight Club, et puis pareil, dès que ça devenait trop trop tuning, ça avait tendance à me gonfler, ouais. Du Mastodonte en OST. Eh oui, il y avait des bonnes zics dans les Need for Speed, Mastodonte, mon gars. Meshuga, il y avait pas mal de bons trucs. Mais non. J'ai plus lequel, j'en ai fait un de Midnight Club aussi, ça devait être sur PS3 aussi, c'est peut-être le même. Et non, c'était pas trop mal, mais après voilà, dès que ça devient trop tuning, ça commence à me gonfler. Ça a très vite tendance à me gonfler quoi. Oh! Super, bien joué. Midnight Club Dub Edition. Attends, je dois peut-être l'avoir encore. Attends, je fais un check visuel.
Non, je l'ai pas là. Bizarrement, je l'ai pas là. Oh! Waouh! Waouh! C'est fou! Quoi? Ah, c'est vrai qu'il y a les défis. Et les défis, se barrer en moins de 2 minutes. Péter 2 voitures de flics. Voilà. Je m'en rappelle un peu tout ça quoi. Il va falloir boucler le secteur, j'ai perdu le suspect. Je vais faire demi-tour, quittez pas. Des unités de renfort, le véhicule a été vu dernièrement en direction de l'est, à hauteur de Diamond Park. Nous sommes toujours correction. Oh merde, il m'a vu se reculer. Allez, salut. J'ai The Club par Sega. Ah putain, The Club. Le jeu de tir là, t'es très bizarre ce jeu. Et t'es très très bizarre ce jeu, The Club. J'ai un vague souvenir de ce jeu là quoi. Oh oui. Qui a jamais joué, tu l'as sur PS. Essaye-le. Essaye-le, c'est vraiment pas mal en fait. Les brocantes. Bah, franchement, si tu as trouvé sur une brocante pas chère, complet, tout ça. Moi j'ai des bons souvenirs sur The Club. Très chelou comme jeu, mais ça fonctionnait plutôt bien. C'est un peu comme... bon, ça, c'est pas du tout le même jeu, hein, mais en termes de sensations, ce que ça m'a procuré, c'est un peu comme Brinks sur... pareil, c'était la même génération. C'est-à-dire, c'est un peu hors norme par rapport aux autres jeux de tir, du coup, soit ça se casse la gueule, soit ça marche bien. Moi ça avait bien fonctionné Brinks, c'est celui-là là, j'avais passé des bons moments. Parce que ça sortait un peu du carcan classique, du jeu de tir. Sans pour autant révolutionner le genre non plus, mais voilà, il y avait une autre proposition. Il y avait une autre proposition qui était plutôt intéressante. Teste-le après, quitte à pas le tester sur PC. Mais... liste noire. Ah, faut que je fasse les défis et les primes et tout. Putain, mais voilà, mais oui. Par contre, moi, je vais vous abandonner là, c'est sûr. J'ai sauvegardé. Et je vais vous abandonner là. En vous remerciant, évidemment, de cet après-midi incroyable. C'est cool. En plus, c'est pas magique. Quoi. On arrive même à flinguer les e-girls. Enfin, gros level. Gros level. Je profite de mon Aborum Session pour d'elle comme un schlag, tu m'étonnes. Mais comme tu m'étonnes, quoi. Bon, qui stream quoi? Qui c'est qu'on va l'emmerder? C'est important. C'est important. Qui stream quoi? Voyons voir. Alors, on a quoi? On a qui? Pindé qui joue à Death Stranding. On va l'emmerder. Pindé, voilà, c'est très bien. Parce que, après le reste, là, ça me fait pas rêver. Ouais, je m'en vais mes petits potes, je vous dis à ce soir à partir de 22h si tout se passe bien. Je vous ferai une annonce sur Discord dans la journée pour tout ça. Je vous fais des zoubis, je vous remercie, j'ai tapé des bonnes barres cet après-midi, c'était top. Soyez sages, c'est important. Moult kiss.